Bonsoir. Bonsoir à Il a pas tous. dit 3-2-1, Oh putain. merde! Tu veux que je le refasse? Oui. Allez, attends, on revient. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Hey. Oh, là, je sais que je suis en live, donc Là, je suis à l'aise. d'accord. Là, d'accord. À deux doigts de faire une connerie, moi. Putain. Non, parce qu'il est Je vous censé ai mis dire dans la merde, je vous ai mis dans 3-2-1 la avant de merde. démarrer le live, parce que sinon il démarre le live et moi je sais pas qu'on est en live parce qu'on parle. Ouais, parce qu'à chaque fois, genre vers 21h30, 31, t'es grave raciste. Du coup, Et ouais, et t'imagines un jour les gens ils font un clip, je suis foutu. faut faire vraiment gaffe à ça. Imaginez, vous êtes avec votre pote sur un canapé, là vous parlez tranquillement de sujets racistes, et tout d'un coup vous retournez du canapé et vous voyez 3000 personnes derrière vous, bah vous êtes pas content parce Vous que votre êtes pote il a ouvert la embarrassé. porte à 3000 personnes, bah Vous êtes voilà. pour le moins Donc embarrassé. le Comprenez-nous. 3-2-1 m'évite d'avoir ce genre de problème. Bon alors déjà, ouais voilà, je regardais si ça marchait bien. Oui, si vous sevez chez Wankil, il y aura bien les alertes ici. Mais ne Voilà, on confondez n'hésite pas, on pas. est sur le stream. Mais il s'agit de ce sub chez Wankil, vous Salut, c'est ça, voyez. je manque. Parce Sinon, que ça ne sert à c'est rien. noté Pas en de haut, musique c'est ici. le September, les subs à moitié prix. Si vous voulez prendre un sub un jour, c'est maintenant. Voilà. Voilà. Eh ben non, si vous voulez prendre deux subs, puisque techniquement, vous en auriez pris un une fois, mais là, vu que c'est à moitié prix, vous pouvez en prendre deux pour le même prix. Ça me paraît logique. Ça me semble logique. Voilà. Moi, tu sais, quand je vois un article à moins 50%, je me dis, oh, bah, je vais prendre deux fois, tiens. Voilà. Pour récompenser cette promotion, je vais la vivre pleinement. Donc, n'oubliez pas, on se sauve. Chez Wankil, c'est important. Hein. C'est quoi le symbole en haut à droite? Ah bah c'est une histoire marrante ça. Tu l'as aussi le symbole Oui, du... je l'ai, mais pourquoi on l'a encore ici? On Je n'était sais pas pas. censé l'avoir que dans le Ça village. sert à quelque chose? Genre ça fait un... ça donne un effet? Non, mais c'est censé être dans le village qu'on a ça. Je sais pas pourquoi c'est resté. En fait, on a ça parce qu'on s'est fait attaquer par des pillards dans notre propre village. Oui. Et on a combattu, on a gagné, on a eu ça. Mais Oui. le problème, c'est que je pensais que ça marchait que dans la zone. Putain, j'aurais parié, franchement j'aurais parié à peu près 100 balles, ce qui est une somme, hein. J'aurais parié 100 balles que t'aurais précisé que c'était quand même ultra ma faute si on s'est fait attaquer dans le village. Attends, c'est de ta faute? Largement ma faute, Ah mec. ouais, mais vu que je m'étais déjà fait attaquer deux fois, Oui, parce que j'ai vu que c'est t'avais pas un si grave. totem déjà, j'ai vu que t'avais deux Oui, totems, du coup je me suis dit, j'ai deux totems. où est-ce qu'il a eu le deuxième totem d'immortalité? Ouais, en fait, si on attaque des brigands, ils attaquent le prochain village dans lequel on va aller. Le problème, c'est qu'on a des villageois chez nous. Donc, ils considèrent que les brigands, là où on est, c'est un village. Sauf que c'est chez nous. Donc, du coup, Mais si des connards tuent les brigands, c'est chez nous qu'ils vont. Même si c'est pas nous qui les tuons. Là, en j'avais l'occurrence, c'est ce aucune. contraint qui l'a tué. Là, c'est moi. Mais j'avais aucune idée que c'était aussi hardcore. Genre, vraiment, c'était vénère. Et du coup, le Genre, si problème, tu c'est qu'on s'est dois. retrouvé à avoir des. Ah, ah, Si tu dois ah, gérer une attaque de ah. village. Oh là, ça va? J'ai rien cassé. Si tu dois gérer une attaque de village comme on a eu à deux, bah c'est Ouais, vraiment pas mec, une mince affaire. j'ai géré des attaques de village seul. T'imagines pas le bordel? Et surtout, là on a des barrières. Mais s'il n'y avait pas de barrières, ce serait encore Ah non, mais des pire. fois, les barrières, ils s'en foutent. Ouais, j'ai vu, des fois ils rentraient. Enfin Et bref, quand c'était t'as une la belle grosse, histoire. t'as le Minotaure là qui rentre, crois-moi que tu fais pas le fier parce que lui il écrase tout. Ouais, j'ai vu, je connaissais pas non plus ce mob. J'ai appris plein de choses. Du coup, ça fait un effet ou Hein. pas? Vous savez le chat? Ça fait un effet le truc en haut à droite? Oui, ça veut juste te dire que t'es victorieux et que t'as des réductions sur le village, je crois. C'est un Mais peu là, comme. je sais pas pourquoi, parce qu'on est au manoir et pas de village quoi. Ok. Bon, bah, on Mais va aller au manoir, un quoi. truc qui est marrant, c'est que bah du coup, on a eu l'attaque de brigands. Ouais. Quand tu gagnes l'attaque de brigands, ça te drop un totem. Tu m'expliques pourquoi on est venu jusqu'au manoir pour avoir un totem d'immortalité qu'on peut avoir juste en tuant des Et brigands? bah justement, j'espère que dans le manoir, il y a plein d'autres trésors incroyables, parce que sinon, c'est complètement inutile, Bah parce que non, là... puisque le seul truc qu'il y avait de Oh. rare, c'était le totem Ah d'immortalité. mec, franchement, il n'y a rien d'autre là? Ah, il y aura sûrement des choses Et très on va amusantes qui faire n'ont la tour du pas... propriétaire. Tu vois, C'est parti pour faire le manoir. ça n'aura pas de grande valeur, mais dans nos cœurs, ça en aura une très grande. Parce qu'il faut quand même se souvenir hein, de tout le travail qu'il y a eu pour arriver ici. Quel bordel. Faudra partir aussi. Oui. Alors, on est gentil, on pose des torches au sol au milieu quand c'est des pièces qu'on a visitées. Le chat, on est gentil, si jamais il y a des secrets, on nous le dit. Bon, déjà, faisons tout le côté gauche là, pour Ok. vérifier. Ouais. Quand il y a une torche, c'est qu'on a fouillé et qu'il n'y a plus d'ennemis. On avait un peu fouillé, ouais. Donc,
En fait, je me souviens, on était arrivé au moment où il y avait les petits anges là et on avait give up. Putain, ils sont chauds en même temps. Oui. Ah, là il s'est passé un. Attention. Bah, là, voilà, il s'est passé ça en fait. Voilà. Hop, on récupère du bois, super, premier trésor, ça marche. Brûler le manoir. Putain, en partant. J'avoue. C'est gros chien. C'est gros chien, vous disparaissez. Je m'en ai rien. Non mais ce qu'il nous faut, c'est tous les secrets du manoir. Et du coup, ça respawn pas dans le manoir. Qu'est-ce que tu veux qu'il respawn? Bah, j'étais pas sûr si ça respawnait ou pas, mais pas du tout en fait. Ok, bon, visiblement, on a fait tout ce côté-là. Ça, on avait fait, ouais. T'as. Par principe, pour mettre une ici. T'as une armure de fer là. Ouais, et alors? Aïe! Bah, je sais pas, on va peut-être. Je me demande si tu vas pas le regretter à l'étage, mais. Bah, ouais, mais j'ai pas le choix. Mon armure en diamant, elle est à la maison. Moi, j'ai. Bah, attends, tu me laisses, je vais faire demi-tour, je reviens, je vais à la maison. Moi, j'avais farmé masse diamant. Non, exprès, vraiment, j'avais farmé masse diamant ici. Pour nous faire des armures pour le manoir. Donc. Putain, on se l'envoie! C'est un tennis de creeper! Il est à toi! Non! Non, vraiment, j'avais ramené des diamants ici pour ça. Enfin, ramené. J'avais vraiment farmé ici. Ah, donc tu m'en as ramené, tu m'as fait des armures en diamant du coup. Je t'ai ramené. J'ai pas fait les armures encore, mais des diamants legit. Donc là, je peux avoir une armure en diamant? Oui. J'en ai 30 dans mon coffre, donc carrément, tu peux. Ah, donc c'est un vrai truc. Attends, t'as 30 diamants et t'avais pas d'épée butin 3? Non. J'avais zéro enchantement en fait. J'avais plein de diamants, mais pas d'enchantement. Mais t'as farmé longtemps? Pour les diamants, oui. Et je me suis dit si on. Comment, toi? Non, je me suis dit si on fait le manoir sans armure en diamant, on va le regretter. On va s'énerver. Mais là, je pense qu'on est bien parti pour y arriver. Hein. Oui, enfin, on a fait tout le rez-de-chaussée. Avant que ce soit de plus en plus dur. Non, je sais pas, je me souviens que l'étage était un peu relou, mais parce qu'il y avait full sorcière, machin. Ah, mais. Attends, bah, faut que je te les sorte. Tiens. Merde. Tiens. Merci, bon, après, mon armure en diamant actuelle est en très mauvais état, donc j'espère que tu vas pas, ça va pas tout prendre, qu'il en restera un peu. Attends, je fais un truc et ensuite je t'avoue un truc. Vas-y, pendant ce temps-là, merci à tous les subs, hein. Je vous vois. Merci beaucoup, hein. Vous êtes très gentils, c'est le September, fait plaisir. Ah tiens, tes diamants restants là. Les subs offerts, enfin, tout ça. Merci. T'es où? T'es 9 diamants restants. Bon, je pourrais peut-être refaire des bottes. Attends. D'abord, je mets mon armure. Ah non, mais j'avais fait des bottes et un casque, ça ira. Vas-y. Voilà, attends, je peux t'expliquer. Bah, en fait. Ah non, il a menti. Il a pris mes diamants et il en a plein. Il a menti. Oh, oui. En fait, il y a mon coffre. Ah, il y a mon coffre cloud. Rentre là-dedans. Et du coup, non seulement il y a 38 diamants, mais il y a 14 blocs de diamants. Laisse béton que si jamais mes bottes se cassent, je vais te taxer ta race. C'est le mec qui va faire exprès de les jeter dans le feu. Oh non, Terra. Mais quel bâtard! Je me suis dit, ouais, je peux pas refuser de telle offre. Genre, Terra a pas de diamants. Non, mais j'avais juste oublié que j'avais mon coffre cloud et qu'il y avait des diamants du coup à l'intérieur. Je pense que c'était une surprise quand j'ai ouvert le coffre. Mais je me suis dit, non, je vais rien dire, il a été gentil pour une fois. L'escroc du village. Non, mais parce que c'était tellement rare quand tu fais quelque chose de gentil. Ouf. Ça fait mal au petit cœur ça d'entendre ça. On a visité tout ça, ok. Ouais, il me semble que quand on est allé à l'étage, c'est qu'on avait terminé. Mais... Même ça? C'est quoi ce système de redstone? Ouais, ils sont intelligents les bots là! Bah, y'a quoi derrière pas ça? Ah bah oui, normal! Bah oui, mais attends, on peut plus! Moi je suis pas intelligent par contre! Putain, il est plus bon qu'un bot ce connard! Voilà! Chaudron, ah c'est vrai qu'on peut faire un chaudron! Eh non mais là, regarde là! Là on prend pour un con là! Putain, bah oui, on prend pour un con! Oh là! Ah ouais, non, ici on a pas vu ça! Non, ici là, regarde! Oui, il est là aussi. Je vais faire un trou et évidemment qu'il y a un truc derrière. Wouah! H, enfer, efficacité 1. Wouah, écoute. Ouais, bon, ouais, c'est pas mal. C'est... Ouais, ça se prend. C'est joli quand même les trucs en intérieur là, les petits arbres qui poussent dans une pièce sombre comme ça. Et ici? Il y a des arbres aussi qui poussent. Oh, c'est. Oh putain, c'est ceux que je. Prends-les tous! Ah, il te les faut ceux là? C'est ceux que j'ai acheté à une blinde là et que j'en avais que 3. Allez, ça part. Oh, il y a un autre étage. Aïe, putain. Pardon, c'est vraiment involontaire. De faire. C'est involontaire. Ah, je t'assure. Ok, ça c'est précieux. Les pousses de chêne noire, faut le savoir. Bah, je sais pas si c'est précieux, mais j'en ai besoin, ouais. Ah oui, il y en a là-haut aussi. Oh, quel bordel.
Il faut, de toute façon, il faut bien racler tout le manoir là. Aïe! Putain, c'est une culture à haut risque. Ah! Ouais, il y en a plein, putain. J'arrive pas à les attraper. Je sais pas combien d'émeraudes là, alors que j'aurais pu juste attendre. Et j'ai déjà plus de vie. Ça fait mal hein, leur système. En fait, couper l'arbre, creuser l'arbre. Oh, mec, viens. Ah bah, attends, il nous donne une hache et il y a un arbre. Oh, mais attends, me dis pas que c'est aussi bien fait que ça. Attends, fais voir. On creuse en dessous. Et en dessous, ça. De la cobblestone. Et en dessous, la cobblestone. Et en dessous, la cobblestone. De la cobblestone. Et en dessous, de la cobblestone. Okay. Attends. Pourquoi de la cobblestone, c'est bizarre comme. Bah ouais, attends, il y a normalement, forcément. Normalement, il y a pas ce matériau. Ah là, par contre, il y a de la terre. Ça devient. Ah. Ah ouais. Ah, moi, je pense alors, que là, les espoirs sont en train de. Ah et sous la terre. Une heure plus tard. Et sous la lave, il y a ça. Il y a rien. Non, mais vrai. Super, c'était le. Pas vrai, du coup, non, mais putain. Super, les fakes, on adore ça, c'est super de votre part, vous êtes vraiment des. J'ai trop cru, j'étais là, genre, what? Vous êtes des belles salopes en fait. J'ai fait le lien, j'ai dit putain, la hache, l'arme, c'est évident. Vous êtes vraiment. Pas sympa, quoi. Ok. Par contre, la torche, on a dit que c'était au sol. Hein. Mmh. Oh. Et ici, on est arrivé. Et ici, il y a. Rien. Ok, donc bon, le rez-de-chaussée c'est fait. On peut pas mettre de torche sur un tapis. Non, là c'est un peu plus surélevé que le sol normal. C'est fou. C'est mal fait Minecraft. Hein. Ça mériterait quelques mises à jour, ça. Par contre, sympa le petit système de chandeliers là. J'avais on retient ça. À mettre des barrières. On retient. Alors, c'est parti pour l'étage maintenant. Je prends mon épée. Ah non, je mange. Faut spam les murs. Okay. Ouais, on le fera à la fin, je pense. On commence à droite. Alors. Ici. Creusons la table. Bah, je vais rigoler, mais à un moment donné, il va sortir attends, avec un coffre. Attention, parce que il y a l'étage en dessous. Ok, ici. À part une magnifique fleur. C'est très beau, mais c'est pas très juste. En fait, c'est très beau. Juste parce que c'est haut de plafond, ça suffit à donner une autre dimension. C'est classieux. Ça, c'est la belle c'est bibliothèque. Chic. Mais oui. Et derrière. Oh, putain! Oula. À l'étage. Ah, attends, du coup, oui. Ça veut dire qu'il y a un truc du en haut? Du coup, en haut, ça. Non, je pense qu'il n'y a rien. On le verrait s'il y avait un truc. Je vais voir vite fait. Ouah, il y a vraiment rien. C'est super. Et derrière le mur en haut. Derrière la bibliothèque. Peut-être. Rien. Ah regarde. Il y a vraiment rien. Attends, peut-être un faux mur. Oh, une nouvelle pièce. Attends, et si je creuse ici? Ah, la pièce suivante. Bizarre. Ah, comme par hasard. Ici, bizarre qu'il n'y ait pas de pièce. Ah ça monte à l'étage directement, okay, mais donc, derrière voilà. L'escalier. Il y a quoi derrière l'escalier? C'est moche. Attends, dans l'escalier. Ah. Ah, bien vu ça. Putain. Mais y a-t-il un truc pour. Ils ont pas de trésor, trésor ici. Là bon, alors du coup, la torche, oh on la met pas au milieu, on la met sur les côtés. C'est censé être des lits? Des lits king size? Oh, ils sont extra moelleux en plus ceux-là. Oh putain, ils se refusent rien. Il y a des lits normaux pour les paysans comme nous, et ici il y a des incroyables lits. Sous le lit. Ah. Certainement. C'est sûr. Parce que où est-ce qu'on cache l'argent liquide? Sous son matelas. Sous le matelas. Et là, tu vois, bah y a rien. Mais sous le bois. Ah. Non, c'est le truc de l'autre fois, non, ça. Non, ouais. Putain, on aurait des débiles à chaque fois à s'extasier dès qu'on voit un truc. Oh, hop, 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 hop. Attends, par contre, attends, cette pièce-là, elle est pas très longue, alors comment tu expliques que là, il n'y ait pas de porte? Ah si, il y en a une.
mince. Ouais, en plus ça va vers là. Encore, encore des leaking size. Tu crois les encore qu'il y a des trucs sous les lits? le matelas, l'argent. Il en démord pas. Occupe-toi de l'autre lit. Ok, je m'en occupe. Ok, puisque... très bien. Mais il y a rien. Ah ouais? Il y a rien du tout. Bah, tu gâches mes outils. Enfin, ça se creuse à la main, c'est de la laine, ça. T'es un ouf. Ok, ça, il y a vraiment rien. Sous la table. C'est une table en bois. De la table. Tiens, 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 une pièce secrète avec des torches. Ouais, super. Putain, ici, attends, et là c'est attends, terminé attends. Quoi. Et là, ah ouais, non, attends, comment ouais, il y a là, quoi ici alors? Là. Là, il y a quoi là-dedans? Que... une salle de réunion secrète! C'est... peut-être pas si pas secrète que ça. Parce qu'il y a une porte. Il y a quand même une belle entrée là. Bon, attends, viens, annule, ouais. On va de l'autre côté. C'est fini. Mais ici, il y a forcément un énorme trésor. Elle est grande cette pièce. Attendez, le chat, si on brûle le manoir, les coffres ne brûlent pas. Oh, c'est beaucoup plus rapide! Et en plus, les mobs à l'intérieur, ils vont brûler. Oh, c'est tout si est si malin. Non c'est si malin. Bon, en tout cas, on avait bien nettoyé quand même, hein, au final. Ouais, ouais, on est mort quelques fois, mais... mais ah, ça, regarde, c'est, la... c'est de là que t'es tombé la dernière fois. Ah, oui, c'est vrai qu'on avait été tout en haut. Attends, alors... ici. Ouaya ici. Tu mets ça avec le bouclier humain. En haut, à l'étage. Ah, mais c'est un combat de boxeur, là. Ah, ça oh, y est, putain ça commence oh les ennuis. J'ai faut pas mangé. J'ai pas mangé. Attends. Oh, il invoque des trucs, ce fils de pute. Mais c'est un ouf. Ah, j'ai plus, j'ai plus beaucoup de flèches, je crois. Oh, aïe, 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 ça fait super mal. Ah, je vais l'attaquer à la main, lui. Waouh, il est chaud. Alors, les petits anges de merde. Hop. 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 Un de moins. Ouaya. Oh, ouais, attention, il est vif, il est vif. Ah, ils sont vifs. Ah, stop. Reviens. Reviens. Reviens si tu l'oses. Ok, il a pris cher. Je lui mets une flèche. Je lui mets une flèche. Attends, il transperce le mur. Il va où? Oh, un totem d'immortalité. Encore un. Il a droppé un. Encore. Ouais, ouais, ouais. Non, en fait. Ah, reviens, salope. Ah, il me stresse, ces trucs. Il va revenir. Bon, je sais pas où il est. Il faut qu'on aille. Oh, il est où? Oh. Aïe! Oh, je crois qu'il est mort cette fois. Ok, alors dans le ring. Non, y'a rien. Oh, creeper! Oh, oh. La grosse. Putain, mais il est tellement fort, il est tellement malin. Et je pensais que j'allais vraiment mourir sur ce coup-là. Oh, creeper! Putain. Ah, coffre. Petit avec... coffre. Côte de maille. Super! Une houe en diamant! Wow, oh non, mais super! Mais vous me faites trop plaisir là! Waouh, je la prends! Ouais, écoute, c'est va être pratique pour la ferme, à chaque fois on doit les remplacer! Bon bah voilà! Là on en aura une pour l'éternité, c'est top! Et là, en creusant ce mur, on arrive dans une pièce tout à fait normale! C'est top! Bon alors, ici, on va dire que officiellement ici il n'y a rien! Ouais! Mais sache que la vérité est tout autre. J'attends encore d'être ébloui par les trésors. Aïe! Qui me. Oh, c'est où? Attends, il y a moult pièces en fait à l'intérieur de ce manoir. Oh, j'ai pas prévu plus de bouffe que ça, je suis un tocard. Attention, villageois! J'ai plus de flèches! Merde! Ouais, moi non plus, j'ai très peu de flèches, on avait tout mis sur l'Ender. Dragon. Ah, explorons putain. Cette pièce. Ah, putain, mais ils sont partout eux! Une araignée, elle est cachée. Ah, mais bah, ils descendent du plafond! Ils descendent du plafond au pluriel! Ils sont cons! Vous venez d'où? Ok, y'a pas de truc en haut visiblement, mais tu vois, moi je me dis toujours, c'est sont derrière les bibliothèques que se cachent les plus beaux trésors. Oh là, ici y'a un creeper, je retourne en arrière. On dirait qu'il est au code. Je m'arrête devant le creeper. Tu vas détruire toutes les bibliothèques. Il y a un trésor derrière eux. C'est sûr. J'ai combien de flèches? 3. Ah oui, c'est bien ce que je me disais, j'en ai pas beaucoup. Ah ouais, 3 c'est peu hein. Creeper à droite.
Oh, cesse de casser ce délicieux manoir. Encore un, le salaud. C'est la Agra. Attends, mais il y a un combat de zombies là. Mais t'es dans l'arène. Je me suis mis dans l'octogone. Oh, fais gaffe, y'a un mec en haut, il a fait. Y'a personne. Y'a personne. Le coffre, un disque, une nouvelle musique. Attends, c'est quoi? Fais voir le disque. C'est 4. Propose. Oh, je l'ai déjà. Moi je l'ai pas, je suis content. Attends, c'est le moment de stocker. Tu vas prendre les os. Ouais. Il faut qu'on. Ah, mais attends! J'ai ma fameuse boîte de Shulker jaune! Oui. D'ailleurs, mais je vais quand même prendre les os. Les os, ainsi que la ficelle. Dedans, je vais mettre le totem. La poudre à canon. Je pense que c'est des trucs que t'as dû stocker, ça. Donc je te les passe. Qu'est-ce qu'il a bien. Les graines de betterave, tu penses que j'ai stocké? Attends, tiens. Ça, t'as dû stocker le blé aussi. Voilà. Non, j'ai pas stocké de blé, non. Donne-moi tout ce qui est laine, les tapis et de différentes couleurs si t'en as. C'est au fond là, derrière moi. Au fond. Oh non. Ok. J'ai un peu de place. Putain, c'est haut. Ah, j'ai trop de trucs inutiles, j'aurai de la place. T'es reparti en arrière ou t'es dans une nouvelle pièce? Non, je suis là. Alors ici c'est quoi? Ah, c'est un peu Game of Thrones ici. Hein. Mm. Ah bah là c'est la pièce qu'on voyait tout à l'heure, il y a mon... Ouais, et en son centre. Ok. Tyrion Lannister qui est caché sous les... Fait chier. Et ici, encore une chambre de merde. Sauf que derrière ce lit là... Oh non, il recommence. Ouais mais attends, tu imagines le truc frustrant, tu fais ça sur tous les lits, puis après t'arrêtes de le faire, et c'était à ce moment là qu'il y avait vraiment un truc. Le chat, est-ce que... Non, gardons le suspense, parce que ça va être incroyable. Ah, je serai bientôt à court de poulet si ça continue comme ouais, ça. Ouais, faudrait que j'aille rechercher de la bouffe à un moment. Alors attends, et là, on creuse ici. Ouais, ici on retombe là, donc... Et donc là, on a fini cet étage. Le premier étage, du coup. Maintenant, direction le deuxième étage, mais je sais pas si c'est le dernier. Mais pourquoi j'ai aussi faim? Et du coup, ça veut dire qu'on peut accéder au deuxième étage que dans une seule des pièces, même pas l'escalier central. Ah oui, c'est vrai. Attends. Oui. J'avais loupé ça. Non, reste une bibliothèque et j'étais parti. Oh non. Par principe qu'il y avait certainement un coffre caché. De toute façon, les livres, c'est utile pour les enchantements. Donc, coucou. Oh là, alors attends, oui. Des chats. Ah, c'est un chat, oui. Oh, oh non, ça part. Non. Oh non, il y en a plein, fais chier. Je vais essayer de m'occuper de lui. Je les déteste. Vas-y, reviens. Reviens, Schlagos, là. Reviens. Bah, reviens. Oh putain, non, ces petites salopes là me... Ils font super mal. Putain, elles m'attaquent en plus, elles transpercent les murs, elles arrivent de nulle part. Tiens, dans ta gueule. Ah, et puis il y a une... Faut pas qu'il en invoque d'autres. Faut qu'on lui fasse sa fête. Je vais le tuer, le sorcier, là. Il est dead. Ok. Ce chien. Bah attends, faut s'occuper de ces... Putain. Alors, ils auraient pu faire des pop les anges avec lui, hein. C'est vraiment des bâtards. Oui, c'est vrai, ça. Ok, touché. Aïe, touché lui aussi. Ah, il me touche. Il me touche beaucoup. Attends, y'en a un, il va revenir d'un coup. Si je mets mon bouclier, ça sert à quelque chose ou pas? Je suis pas sûr, hein, peut-être en vrai. Ah, j'arrive pas à les viser, c'est un truc de ouf. Mais il faut les toucher plein de fois en vrai pour les tuer. Hein. Il me défonce. Frère, il y avait un autre totem encore. Hein. En fait, c'est eux qui droppent les totems. Il me défonce! Attention, j'arrive. Ah, mais j'en ai un sur le dos aussi. S'il me poursuit, c'est la mort. Ah merde, en plus j'ai mis le totem dans mon coffre. Je peux pas le ressortir. Mec, je pense que si on creuse... T'es où? T'es mort? Attends, je me régène là. Ah. Non, c'est bon, je crois que... Viens, regarde, suis-moi. Dans le cul du chat. Dans le cul du chat, mec, c'est sûr. Vas-y, fais-y un trou. Éclaire-moi avec ta torche, parce que je vois rien dans son cul. Merci.
c'est profond ici, qu'est-ce qu'il peut bien renfermer? Bah alors le minou, qu'est-ce que... On va quand même pas aller comme ça jusqu'à la bouche. Mais non, mais y a forcément un truc dans le fion du chat, là. Pourquoi faire un chat si tu peux pas trouver un trésor dans son... trou du cul. Oh non, j'en sortis par... Oh, oh non par. Attends, peut-être dans la tête. Ils auraient pu lui faire des yeux, je sais pas, en diamant ou... Oh la queue, ouais, peut-être que... Bah non, la queue elle est la pas queue, assez épaisse pour non, qu'elle puisse enfermer quelque chose. Aïe. Ah, j'ai une nouvelle recette. J'avais pas le verre dans mon inventaire. Putain, le chat, tu vas me dire qu'il a rien. Ouais, moi non plus. Ça, c'est... Mais peut-être c'est que dans ce chat-là... Ah, ce chat-là, mec. Ce chat-là, il y a forcément sûr, quelque chose. À 300% que là, dans ce chat. Y a bof. Un putain de trésor. En vrai, bof. Et il m'y retiendra pas. Et comment se fait-il qu'il fasse des si gros chats et de ne pas nous donner de récompense? Ah, attends, il y a un trou dans... Ah ouais, mais c'est un trou de merde. Bon. Fais chier. Pourquoi faire des chats? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Wouah! C'est une carte en HD. Viens voir. Quoi? Tu vois, nous on est là. Wouah! Wow. Et ça, c'est la. Mais c'est Audrey Google Earth! C'est là où on allait dans le désert, là. Wouah! Wow. Et là, c'est mec. Les forêts. Par contre, putain, derrière. Derrière, c'est bibliothèque, frère! Ouah, pas grave, derrière. Ah, c'est pas secret. Il y a un creeper à gauche. Il s'est dit. Qu'est-ce que vous putain. Faites? Ah, mais peut-être sous la table! Ah oui! Ah. On était pas loin cette fois-ci, j'ai l'impression. Cette fois-ci, je savais que j'avais raison. Je sais pas si c'est le genre de cachette qu'ils font ou... Mais je sais pas, les gens nous ont tellement dit dans les murs et dans les machins, mais qu'au final, je sais pas si c'est vraiment comme ça ou si c'est vraiment un endroit spécifique. Putain, j'ai trouvé pas mal de bibliothèques là. Oh, on va se mettre lourd, putain. Mais elles ont pas. Elles cachent. Elles peuvent rien cacher là, je crois. Non. Ah ouais, mes grandes. Ah ouais, bah, c'est. En son centre. Ah ouais, non, c'est des rangées de deux. Une autre bibliothèque. Putain, c'est une pièce inutile ça, pardonnez-moi. Oh, il y a un creeper qui va descendre, attention. Aïe. Ma bibliothèque. Oh putain, faut pas tomber là. D'accord. Ouais. Super cette bibliothèque. Non mais mec, c'est pas normal, attends. Qu'est-ce en hauteur? Là, qu'est-ce que c'est censé représenter ça? Eh mais... Chien. Qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est pas comme ça. Ça représente quelque chose évidemment, mais... Eh attends, regarde ça, c'est une poule géante. Oh. Elle et doit couver un truc. En son sein. Là, il y a au moins des émeraudes là-dedans. Mais à quoi ça sert de faire des animaux géants si on met pas des trucs dedans? Oh, quelle déception. Non mais c'est vrai, y'a rien. Attends, oh, c'est toi qui as fait ce trou là. Oui. Bon, très décevant cette poule. Putain, ici, poule de merde. Sous la... Oh. Sous la... Les tapis là, ils sont pas là pour rien. S'il y a des tapis, c'est qu'il y a quelque chose. Mais merde. Mais merde. Mais donnez-moi du stuff. Pour l'instant, on a rien de bien. Arrêtez! La tête? Les gens disent la tête. Ouais. Dans le crâne du poulet. Permettez-moi d'en douter. Crâne du poulet, peut-être un truc. Là où serait censé être son cerveau. C'est étonnant, mais il n'y a rien. Comme dans la vraie vie. C'est bon. Attends, on a fait tout ce côté-là du coup? Ah non, c'est quoi ça? Non, c'est juste qu'on a pas mis de torche pour. Ah! Oh, il est tombé! Oh, pardon! Je l'ai fait tomber dans le trou.
Ok. Putain, il y a eu un sacré trou, il s'est passé quoi? Bah, je sais pas, un gros con a dû faire exploser un creeper, il est même tombé, il a perdu son stuff. Non, c'était un sacré creeper, hein! Bordel! Putain, t'as même pété la fenêtre et tout, y a plus rien. Mec, j'ai pris cher, hein. Bah, je vois ça, ouais. Pour l'instant, c'est très excitant, tous ces trésors là qu'on accumule. Tu vas me faire croire que quand on avait joué vite fait, genre 10 minutes dans le manoir, ça a suffi pour Ah! récupérer tout ce qu'on avait récupéré? Attends, on est pas au dernier étage là. Je sais pas. Tu sais quoi? J'ai une idée. Viens avec moi. Attends, d'abord, fouille tout. Regarde. Il faut oser dans la vie. C'est là que se passent les choses. Mais je suis pas un Yamakasi. Parce qu'en fait, on va aller dans le toit. On va aller dans le toit. Oui, t'as raison, je suis pas un escalier. On va aller droit dans le toit. On n'est toujours pas assez haut. Oh. Une araignée. Ah tiens, tiens, une Tiens, une araignée. araignée spéciale qui va nous donner 10 000 d'or. Bon alors logiquement, d'après ta théorie, si je creuse là... Oui. Mais c'est de la merde! Mettez des combles, mettez un grenier! Attends. Ah, c'est Là. pareil! On est Oh. marre! Fuck. J'ai l'impression que peu importe ce qu'on va Oui. faire comme trou. Mais là, tu vois, en fait, on est en train de purifier le manoir. Plus aucun mob ne pourra spawn grâce à la lumière. Waouh! Super! Purification par le toit. Je crois qu'on va le foutre au feu, ce putain de manoir à la con! Non mais on a tout fouillé? Il y a... Eh, peut-être y a-t-il une cave? Ok. Attends, attends, c'est quoi ça, ici? Eh, c'est une pièce fermée? Tiens, 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 tiens. Alors, le terrain? Qui est pas con, le terrain? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as une pioche qu'il faut? Non, j'en ai pas. T'en as une? Mec, en Non! ce c'est sûr qu'il y a un truc. T'as bien 3 diamants Attends, mais c'est dans pas qu'on ton peut juste inventaire. pas la récupérer? On peut pas la péter? Mais non, c'est de l'obsidienne, ça. Il suffit juste de le creuser avec une pioche en diamant. C'est sûr qu'il y a un truc à l'intérieur, mec. Mais il faut une J'ai pioche en rien. diamant pour ça. Oh putain, faut qu'on aille. Ouais, j'ai rien là. Bon, on fait un truc pour savoir qui va. Non, ça marchera pas avec ta pioche. Ou alors, attends, peut-être que ça marche, mais que tu peux pas récupérer. Non, ça marche pas. On fait un pierre, feuille, ciseaux. Oh, j'ai une trop bonne idée, putain. Si ça marche, mais c'est long. Non, non, mais regarde, on fait un pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui va rentrer. Dans ton inventaire, tu vas mettre ça, plus ça, plus ça. Ok, là, c'est le ciseau, la pierre, c'est la pierre, la feuille, c'est la feuille. Attends. H. Attends, faut que je fasse de la place dans mon inventaire. Qu'est-ce que tu m'as fait récupérer là? J'ai même pas vu ce que tu m'as drop en fait. Une hache, une pousse de chêne noir et une pierre. Ok. Tiens, mets-toi là, là, sur le côté du mur. Pas trop près, sinon on va récupérer le stuff. Colle-toi à l'autre mur. Voilà. À 3, on lance ce qu'on fait. Ok. Enfin, pierre, feuille, ciseaux, t'es prêt? Vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, la salope. Très bien. Pierre, feuille, ciseaux. Oh, j'ai gagné! Ah, Oh, j'ai merde. gagné! Ah. C'est pas loin, hein. Ouais, c'est pas loin, ouais. Franchement, c'est pas loin. Je Putain. t'attends ici, hein. On Ouais, tu débrief. m'attends. Je vais m'occuper de mon petit coffre. Putain, Oh le c'est loin, con. mec. Bon, après, j'ai vu tout le monde dans le chat qui spammait que ça marchait, donc je suppose que. Y'a pas besoin de. Ouais, mais bon, tu sais quoi, autant le faire bien, ça va être sympa. Comme ça, tu pourras taper dans tes diamants à toi. Ah. Attends, je me fais taper d'abord. Ah, t'es déjà revenu?
Non, c'est pas ça, c'est que j'aurais bien arrivé à passer sans me faire taper. D'accord. Je me disais aussi, ça a été rapide. Ah bah tiens, si tu veux faire de l'inventaire avant que j'en vienne là, je vais te dropper des trucs pour ton coffre et tout. Parce que Vas-y. là, genre, alors tiens, hop, totem, rond, pouce, coffre, de la laine de différentes couleurs que nous n'avons pas chez nous, donc à garder, c'est intéressant. Des livres, parce qu'on sait jamais. Hop, 128 de livres. la laine. Ouah! Les tapis, le tapis vert, important, hein, on n'en a pas chez nous. Ça, la côte de maille, le charbon, la laine T'as noire. fini? Ça commence à être Un problématique peu dans de mon bois, de coffre. la terre et une dalle. Voilà, je te laisse faire le tri. Stop! Ok. Je crois qu'il a fini. Bon, on Si tu veux, je verra. peux même te ramener des trucs de la maison pour que tu fasses le tri dans ton coffre. Non, non, c'est bon, tout va bien. Je vais faire 100. Tu as laissé les diamants quelque part? Ou... Non, 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 tu vas Ah. devoir prendre dans les tiens. Je suis désolé. Ah, si Ah. j'avais Oh, su. Non, mais. ça... C'est chiant. Si j'avais su, je te les aurais laissés quelque part, mais là, j'ai oublié. Pff. Puis en plus, comme ça C'est pas fonctionne. grave, hein, que ça arrive. Tu sais, comme c'est chacun son coffre et que tu peux pas ouvrir le coffre de l'autre, bah. Voilà, c'est pas possible malheureusement. Alors par contre, il n'y a vraiment pas de bâton ni de bois dans les coffres. Y a pas de bois. Y a Ok, pas de bois. si tu sors à ta gauche, je crois qu'il y a un arbre. Non mais ta gueule, c'est bon, je vais le faire. C'est juste que je trouvais ça scandaleux qu'il n'y ait pas de... Oh merde! Par contre, moi, mon armure, elle va se casser. Bah ouais, on a fini donc. Je pourrais t'échanger Non, non, ton c'est bon. armure. Avec ces deals là, je connais. Hein. Je connais ça. Hop, c'est bon, je reviens. Ah, par contre, je sais plus trop où c'est. Mais du coup, mec, ça veut dire qu'il y a des pièces secrètes. Comment on fait pour les savoir? Ah, faut qu'on tape dans la plupart des murs. Hein. Bah ouais, ça va être très décevant, mais on peut essayer. Bah, regarde, celui-là, c'est grâce à ta fabuleuse technique du allons sur le toit pour aller dans le grenier. Bon, il se trouve qu'il n'y avait pas de grenier, mais grâce à ça, on a quand même pu trouver un truc. C'est vrai que le toit là, tu vois, un trou de moins et on n'aurait pas vu. Et Donc il mec, moi je faut, pense que ça se faut être trouve, il y a peut-être une persévérant. cave. Faut être persévérant. Putain, mais ce zombie de merde, il me fait tomber à chaque fois! Oh! Il y a une armée! Mais putain, mec, terminé! Oh là, bah qu'est-ce qui se passe ici? Putain, j'ai 4 coeurs! Oh, et en plus, je te fous une flèche dans le cul! Bon, on t'attend ici. Ouais. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Mais y'a un spawn, c'est pas possible! Ah! Ah, c'est parti pour. Propose qu'on creuse en son centre ici. Ah, fais-moi un escalier. En son cœur. Ah. J'ai pas, parce que j'ai pas de bloc du coup. Un escalier de bois. Bah, juste fais-moi monter, voilà. Là, on centre comme ça. Ouais. Alors, normalement, c'est moins de 3 quarts d'heure pour un bloc. Bah en fait, je viens d'en faire un à la pioche en fer, sans te le dire. Normalement, là, il y avait un bloc là où t'étais. Oh! Mec! Ah, ça j'aime bien. Voilà, 9 diamants. Ouah! Ça Bon. fait plaisir! Ça reste 9 diamants, mais voilà, merci. Quoi? Mais mec, c'est très bien, 9 diamants! Une petite surprise. Oh, c'est. Mec, on aurait trouvé un coffre avec 3 diamants, on aurait été content! Non, j'aurais pas dit content, mais franchement, c'est bien. Oh! Oh oh! Ok, non, Putain! non, non, c'est bien. Mais bien sûr que Maintenant, c'est mais bien! maintenant, j'en veux d'autres comme ça. Attends, là, c'est dans des escaliers. Ah ouais, c'est. Ouais, ok. Attends, là Faut être. regarde, Ah ouais, mais on va putain, juste y avait taper. un village de. Une tête de villageois, j'avais pas vu en fait. Oh! Oh! Mais c'est cette pièce-là, ok? C'est cette C'était. pièce. C'est Oui! plutôt bien indiqué en fait. Bah, on a juste à taper chaque côté des murs pour voir si c'est des pièces qui relient bien aux pièces qu'on connaît. Ouais. Oh non! Pourquoi j'ai entendu un. Une poule. Non, non, pas une poule. Ah, ça. Un autre. Non, 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 pas un creeper non plus. Un sorcier. Ah. Ya.
Oh la vache, mais tu vas me tuer hein. Ah, j'ai une belle épée en diamant, je suis désolé. Ok. Le chat, est-ce que y a-t-il autre chose? Ah, j'ai entendu le sorcier. Ah, ouais, le sorcier, ça me fait penser que là. S'il y a un sorcier qu'on n'a pas vu, c'est que il y a un truc. Il y a une entourloupe là. En plus, je l'ai entendu au-dessus. Mais au-dessus, c'est le toit. Comme en témoigne. Alors, il y a peut-être une pièce. Le feu. Je vais vous. Vous êtes des tricheurs. Vous êtes des voleurs. Mais. Ah, mais je l'entends là. Oui, oui, il a fait une gnignigni. Il est quelque part. Il est pas au-dessus de la bibliothèque. Montre-toi. Mais ça, c'est encore un sorcier, hein. Genre par là, au-dessus de la poule. Ou... Je l'entends, mais je l'entends. Ou dans la poule. Mais non, on a déjà creusé dans la poule. Mais comment? Comment c'est possible? Alors là, je n'y comprends plus rien là. Qu'est-ce? Comment pourrait-il être caché? Je l'entends. Mais il est dans la poule. C'est vrai qu'on dirait que le son impossible. Vient de la poule. Impossible. C'est la poule. Non, c'est là. C'est là. Je l'entends là. En dessous. Je suis très perturbé. Ah, il est là. Oh, le fils de pute. Je me suis retourné, il m'a foutu une fiole dans la gueule. Alors ouais. Je vais pas mourir quand même. Potion de soin. Bah, tu veux une potion de soin? Tiens. Fais-en bon usage. Vite, faut que je bois tout. Ça n'a rien changé. Très bien. Oups. Bah. Qui c'est qui a mal ici? Ok. Où est-ce qu'on est ici? Bah creusons des trous, hein. Que le meilleur gagne. Mais ça se trouve y a rien, ça me tue. Oui, j'ai vraiment rien. Pas envie qu'il y ait rien. Ça va me faire du mal. En fait, il faudrait que des gens nous disent ce qu'il y a, enfin, genre info ouais. Sûre, tu vois. Vas-y, je vous lis. Il reste des trucs ou pas. Je vous lis. Parlez. Faut parlez. Dire autre chose que ce que vous spammez depuis tout à l'heure. Parlez, sinon. Ouais, pas mal. Montrez que vous êtes pas un chat de débile. Et d'autres choses. Mais on peut pas passer en slow ou un truc comme ça. Le chat. On peut pas faire des ban words. Ah, je n'ai pas le contrôle. Ah mince. Malheureusement, sinon ils seraient déjà tous morts. Ce serait un champ de bataille. Parce que j'ai envie de fermer le chat du coup. Genre vraiment. Et c'est embêtant. Quand même, parce que c'est bien d'avoir des interactions. Mais là, on dirait des abrutis qui sont bloqués. Moi, je fais des trous. Ah, merci, Merluc. Moi, je me prends pas la tête. Merluc, tu restes comme ça, s'il te plaît. Alors maintenant, si les gens. Si les trois subs de chez le stream ont une vraie info, ou même les modos. Hein, je veux bien une info pour être sûr que on a tout fait ou alors s'il reste autre chose. Moi je pense que personne ne sait parce que personne ne s'est jamais donné les moyens d'aller jusqu'à un manoir. On est les bestes. Tu parles de toute l'histoire de Minecraft? Genre personne n'a jamais... Non, c'est trop de travail. Je sais, je pense c'est impossible. Que c'est la vérité. Alors viens ce qu'on fait. Viens ce qu'on fait. C'est que limite, on le brûle pas. Ouais. Oh, ça va être bon. Ouais. Oh, ça va être que ça va être bon. Comme ça, genre, mec, genre, on part. Ah ouais. Et c'est tout. Et on dit rien, juste on part. Oh, je vais me faire un bien là. Oh, ça va être cool. Oh putain, ce sera délire. C'est bon, vous pouvez enlever le symbole lire. Je pense qu'il n'y a pas d'info. Vous avez tout fait, il me semble. Ah, le il me semble qui, quand même, met une valeur incertaine à l'information. Je continue à creuser et puis basta. Hein. Bah moi je creuse dans les parois du mur et je suis triste. Je trouve des pièces et puis voilà. Sous-sol. Oui, faut encore tenter le sous-sol mais...
Ouais, non mais cette théorie que j'ai, à mon avis, c'est pas la bonne, sinon des gens l'auraient dit. Alors Après, là, ça je suis aurait été au... logique de mettre un sous-sol quand même. Ouais, mais y a rien qui amène. Et mec, va creuser... Ouais, non, mais non, En fait, le y a problème, pas de c'est qu'il y a de la sous-sol. cobble partout en dessous, donc pour trouver, laisse tomber. Ouais, c'est ça le problème, c'est que... S'il y en avait vraiment un et qu'ils l'ont caché, mais c'est mort, parce que... Si encore on était sûr de l'info, en mode, ouais, non, c'est sûr, y a un sous-sol. Mais là... De la roche. Et sous cette roche. Oh, putain de squelette de mort. C'est quoi, j'ai limite envie d'aller sur sur Wikipédia. Hein, Ouais, après, est-ce qu'il parle vraiment de ça? Bah, Enfin, ils ils doivent devraient dire quand il y a même des endroits donner secrets, tu les vois. infos. Ouais, tu sais, genre ils doivent dire quand même s'il y a. Peut-être. On s'en sera Ah sorti non. avec deux totems, 9 diamants. Non mais c'est naze. Attends, j'ai pas fini. De la laine de différentes couleurs. Couleur. Et une hache efficacité 1. Et Alors, vous? Et qu'est-ce vous, que ça qu'est-ce que dit vous ça, les avez? aventuriers? Je fais de l'urbex? Non, du parcours. Comme les Russes sur YouTube là qui montent sur des grues. Je suis sur les côtés du manoir et je regarde par les fenêtres. Au pire, lisez le chat avant d'aller sur Wiki. Oui, bah on n'a qu'à lire les 100 messages à la seconde qui se passent la même chose. Et parmi les 100 messages, peut-être une information qu'on n'arrive pas à passer. Je pense que c'est un bon moyen d'être bien guidé, ça. Une pièce vide. Ah ouais? Nouvelle? Et là. Oh. Oh. Oh non, mais oui, évidemment, je pensais que j'étais dans l'étage du bas, mais pas du tout, Link. Tocard. Bon, je suis déçu, je crois que j'avais trouvé une cave, mais absolument pas. C'est logique. Ça c'est l'extérieur. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Fuck. Putain, Ça, je c'est ne louche. trouve rien. C'est toi qui as creusé sous l'escalier? Oui. Deux de QI. Max. Info sûre, il n'y a plus rien, il n'y a que l'œuf en obsidienne. Ah. Waouh. Ça fait pas super plaisir ce que tu dis là. Ça fait pas grave zizir du tout, ça. Non, j'ai pas trop aimé quand t'as parlé de ça. Ok. Eh ben super, on va faire le trajet de retour avec nos 9 diamants et nos deux totems. Putain. Non mais quel échec! Putain, mais en fait on... On a fait tout ce trajet-là C'est pour avoir non surcoté. seulement un truc qu'on pourrait avoir en tuant des brigands, mais en plus avec pas du loot de ouf! C'est surcoté ce manoir de merde là. On va devoir se taper le monde Atlantide là, pareil! Atlantide, c'est sûrement 9 diamants et un truc pour respirer. Alors que l'Ender avec les forteresses et les bateaux qu'on n'a pas encore trouvés, et ben c'était quand même un truc qui apparemment pour voler, donc là ça avait de la gueule. Ouais, là, tu sais, là, ça me fait plaisir, là, c'est vendeur! Alors Là qu'en plus c'était même pas trop loin pour y aller. en revanche, Je sais pas, donnez-nous un truc, tu vois, en conséquence, on était jusqu'au manoir. Et si encore on pouvait dire que le voyage, c'était le voyage qui avait valu le coup. Mais non, c'était de la merde! C'était horrible, j'ai jamais fait pire sur un jeu vidéo. C'était. Un putain de voyage atroce. Bon bah moi je suis prêt à partir. Hein. Mais tu sais que je suis déjà à la maison, hein. Ah, moi j'étais en train de creuser dans les murs. Non mais tu peux continuer à creuser dans les murs. Mais disons que... Franchement, après ce que vous avez fait, on va le cramer, mais si vous seubez, mais comme des malades, quoi, genre. Donne-leur un palier, on crame. On a combien de seubs là? Franchement, vous avez fait de la merde, vous le méritez, c'est chiant. Ouais. Vous savez que vous En avez plus, fait des le conneries là, pire vous c'est faites. que vous n'auriez pas spammé, mais on l'aurait cramé le truc.
Vous avez foutu n'importe quoi là. Là, vous avez été lourd. On Vous avez été lourd dingue. est à 3470 subs et on devrait au moins, pour le cramer, être à 3700. Et je suis très gentil. T'es vraiment gentil là, pour le Oui, mais coup. non, mais je vais pas les attendre 10 minutes ici. Je veux pas faire un palier à 10 000 subs et on reste là à cramer des saucisses. Ça fait chier. Comme ça que ça marche. Bon, alors voilà, je vais pas avoir assez de place dans mon coffre pour toutes ces jolies trouvailles. Non, Oui, en mais vrai, j'ai pas assez de place. t'as le coffre. Ouais. Mais bon. Ouais, attends, faut tout ça là. Attends, tout ce qui est lingots de fer, machin. Je vais mettre mon petit coffre dehors. Mon Qu'est-ce coffre que. shelter. Paf, 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 Je vais paf. mettre mon coffre aussi, on va voir ce qu'on peut regrouper. Tiens. Alors, moi j'ai mis tout ce qui était lingots de fer. Ah, bah, de toute façon, je peux voir le contenu. Ouais. Bah super, ce n'est pas très compatible. Ouais, là. Ah, lingot de fer. Et puis Attends, est-ce qu'on récupère des trucs d'ici? Il y a des armures en fer pour cheval avec armure. Ouais, ça on récupère, ici il y écoute. a. Oh tiens, un briquet, je me demande à quoi ça pourrait me servir. Bah pour l'instant, là, que je vois pas en fait. Moi non plus. Une porte en Peut-être fer. 4700, j'aurai une idée, mais pour l'instant, non. Ouais, non, ça me dit rien là. Du lapis, je prends parce que Tout c'est ce pas qui est mal. bouffe, je prends. C'est quoi, je prends? Ah oui, j'ai farmé du poisson pendant longtemps pour cette. Parce que je croyais que ce serait une longue aventure, hein. Je croyais que ce serait incroyable. Donc j'avais Oh pris beaucoup oui. de poissons, mais bon, visiblement, hein. Voilà. Je l'ai dans le cul. Ok. Un bouclier. Oh, je vais le remplacer. Bien volontiers. Alors qu'est-ce qu'on a récupéré? Ben non, là les pommes d'or, pas mal les pommes en or. Ah le charbon quand même, parce que bon, c'est du charbon hein. Ouais. Ouais, tout le reste, ça me fait pas bander quoi. On bande pas là. Là, c'est à peine levé chez moi. Y a des coffres dans un. Des coffres, oui. Tiens, un briquet. Bon, à quoi il pourrait servir? Et un. Non, bah voilà. Et la poudre de perlimpinpin là, tu l'as Potion pas de stockée quelque part? faiblesse. La poudre. Ouais, la poudre. Ah, armure pour cheval. Potion de Netherrack. Non, on faiblesse. s'en fout, la Netherrack, il y en a plein. La selle. Mec, fais gaffe, hein, en dessous, il y a des trucs. Une selle. Tu sais combien on en a? Putain, c'est ouf, hein. On en a vraiment beaucoup. Une enclume, je prends. Et puis. Ouais, enfin, l'armure. Mais la selle, vraiment, mec, crois-moi, ça va être pratique parce que. Avec les trucs de. Du parc d'attractions là. Je suis sûr que t'en as stocké de ça, tiens, la poudre. Ah oui. Ok. Y a un os, c'est sûr que t'as stocké un os toi. Je connais. Stockeur d'os va. Putain, tu lis en moi. Ok, là je suis bien droit dans ton coffre. Ah, t'es bien plein aussi, mon fumier. Ouais, tu sais quoi, tu peux même jeter ça. Je vais jeter pour toi. Allez. Ces tapis-là, c'est pas une couleur très rare. Ouah, ça jette des tapis là! Non, Ouais, oh! mais si on s'en fout un peu. Ça, par contre, les tapis rouges, on stocke. L'obsidienne, c'est chiant à creuser, donc je la garde par principe. Ouais. Et puis voilà. Et puis voilà. Ok, ben. Crois on serait bien prêt à partir là. On a bien tout récupéré. T'as pas une épée qui traîne? Une épée en bon état? Une épée. Non, s'il n'y en a pas dans le coffre, j'en ai pas. Il y a une épée en pierre si tu veux. Non, ça va aller. T'es sûr? Ok. Tu sais quoi, je la prends au cas où. Faut pas être vache dans la vie. Et nos lits, on les récupère, hein. C'est vrai, avant de partir. Voilà. Je pars avec beaucoup d'émotions. Tu sais, je pensais que. En venant ici, je savais que je vivrais énormément d'aventures. Et que je repartirais riche. Et aujourd'hui, il est l'heure de partir.
Et ben c'est le moment. Et moi j'ai quand même envie de le brûler. Ouais, on va le brûler. Il m'emmerde, hein, vous m'emmerdez, mais j'ai quand même vachement envie de le brûler. Donc on va le faire pour notre plaisir personnel. Viens, j'enlève l'écran pendant qu'on le brûle. Ah, chien! Ah, chien enragé! Alors attends, le mieux c'est qu'on aille à l'étage tout en haut et qu'on descende petit à petit. Aïe! Mais on va brûler avec le manoir, Damien! Mais non, il n'y a que des imbéciles! Ouais. Alors par contre, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit dans le poulet, il y avait peut-être. On l'a bien creusé le poulet, hein! Bah apparemment, il y a un bloc de lapis dans le poulet. On lui a mis sa dose, hein! Mais allons je sais voir. Pas où est le poulet, mais. En haut encore. Où est le poulet? Sous en haut? Voilà. Oh, ouais. Allons-y quand même. Bah, je sais pas où il est le poulet. Bah, franchement. Ah. Je vois pas bien. Où est-ce qu'il pourrait y avoir de la place pour un bloc de lapis? Ouais. Je tente un peu, mais je. Voilà. Ça va faire lag le serveur as fuck, toute la forêt va brûler. M'en fous. Attends, on y verra plus clair. M'en fous. Alors, il est où ce bloc de lapis? Doit être quelque part par là. Allez, brûle. Brûle, poulet. Bah, c'est pas vrai, y a pas de bloc de lapis. On a fait toutes les possibilités là, on le verrait si y en avait un. Là, on le verrait. Là, c'est échec et mat, hein, y'en a pas. Ah, à moins. Aïe. T'es où? Je suis tombé. Mais non, mec, là, je pense que. On nous a pris pour des jambons, il n'y a pas de bloc de la piste ouais. dans ce poulet. Moi j'ai bien l'impression de m'être fait avoir dans cette histoire. Ouais, le problème c'est qu'il n'y a pas que le poulet qui prend feu là. Oh! Putain, une autre il m'a rendu une surprise! Ça proteste. T'es monté? T'es où? Ah. Je suis là. Alors, voilà, je te propose de faire l'autre côté, je vais faire ce côté-ci, on se rejoint devant l'escalier, ok? Attends. Toi tu commences là. Ok, vas-y, je vais là-bas. Commençons les festivités. Aïe! Ah oui, mais là, avec ce que je fais. Ah, mais attends, mais je vais me retrouver piégé par les flammes, ouais, moi. On va être piégé parce que l'escalier est au bout du couloir. Allez, les bibliothèques là, ça dégage! Ouais, c'est comme. Oh, bah je savais pas du dessous! Game of Thrones là, mon cul, ça dégage! On se revoit en bas! Oh putain, j'ai failli cramer. Je suis déjà en dessous. Ça dégage. Ça dégage. La pièce secrète là, ça va dégager ça. Ah! Ça brûle le feu. Oui, bah c'est un peu le but. Ouais, ouais, ça brûle. Ah! Hop, la table des commandants là, ça dégage. Boum. Oh merde. Oh là, ça commence à brûler. Je commence à être un peu dans la merde. Je commence à retomber sur des trucs qu'on brûlait, tu vois. Et je me dis, non, ah je, ça brûle aussi. Brûle, je vais passer par là. Oh là là, je commence à être en panique. Je commence à être vraiment dans la merde. Ok, on se rejoint au rez-de-chaussée. Je suis descendu au rez-de-chaussée là, parce que ça commençait à être critique. Ok, je vais du côté gauche quand on est en face de l'escalier. Ok, je sais pas où je suis. Parce que je suis. Oh, le plafond! Le plafond! Regarde le plafond, c'est à l'occasion, je sais pas où t'es, mais. Moi, c'est. Oh, oh, c'est putain, l'enfer. Ah oui, attends, là-haut, c'est l'enfer! Oh, un creeper! Oh, on est plus à ça près! Oh, ça lag! Oh la vache! Eh, si on est dans la merde, faut... on creuse! Faut sortir maintenant! Oui, faut sortir! Oh, faut sortir! Ok, y'a la porte d'entrée qui est ici. Où ça? Je t'ai perdu. Damien, me laisse pas. Attends, t'es faut où? Que je passe l'autre côté maintenant. T'es où? Aïe. Je suis repassé, attends. Ah, il a fait un trou, le salaud. Oh la vache. Les champignons, ça brûle. J'ai plus de briquet. Je mange et je reviens à l'entrée. Ah bah t'es là, ouais, vas-y, là. Finis de cramer. Oh putain, regarde au-dessus de nous. Ouh. Oh putain, j'avais pas vu. Eh, ça va vite, hein. C'est très vas-y, vite, faut qu'on sorte. C'est où la sortie? Ah, c'est par là, mais faut qu'on... Oh putain, les flammes. Ah merde. Esquive les flammes. Pour l'instant, j'arrive à me faire un chemin. Ok, je vais pas y arriver, alors... Je suis pris au piège.
Je vais faire un trou, hein. Attends, je vais creuser par là. Ok, je suis sorti par le trou. Ah. Je suis devant l'entrée du manoir. Je suis sorti par un mur. Je suis devant l'entrée. Alors, c'est où l'entrée? Ah. Oh, c'est beau vu d'ici. Oh, il est bien. Attends, viens sur la canopée. Viens sur la canopée de la forêt d'en face. Attends, j'arrive, faut que je retrouve où je suis là. Je suis sur le haut de la canopée. J'ai une belle vue sur le manoir. Oh, le pauvre manoir. Ah bah, il a bien mérité cet enculé. Oh la vache. Oh, y a un... oh non, le creeper il va se retrouver dans la merde. Oh, la forêt commence à prendre. Ouais, je crois que. Dommage collatéral. Oups. Oh non, vous avez aussi perdu votre forêt. Oh merde, mais la forêt. Ouais, la forêt par contre ça va être assez hardcore. Bon, pour l'instant. Je vois pas de coffre. Oh, c'est beaucoup plus clair vu comme ça, tu vois. Là on va pouvoir vérifier. Ça dès le début, tu sais, genre t'arrives devant le manoir, bah du crâne tout, et puis après tu vois mieux. Et là on voit les coffres. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un pot de fleurs qui est resté. Oh. Une petite fleur dans le chaos. Moi, je vérifie là. Je vais le mettre à un meilleur point de vue. Que voient vos yeux d'aigle? Ah, il y a des trucs qui vont pas cramer, hein. Y a des rescapés. Hein. Y a des blocs tout seuls de bois en l'air. Bravo. Moi, je me demande si ce creeper va survivre. Y a un creeper tout en haut sur le toit et il est entouré par le feu. Oh, il est dead. Oups. Non, mais l'incendie de la forêt va pas être si catastrophique. Ah, je suis au-dessus de toi. Je suis sur les arbres au-dessus de toi. Ah. Juste au-dessus. Tu fais un escalier, je suis en haut. Ah oui. T'inquiète pas pour l'escalier de bois, il brûlera. Hein. Oui. Tout comme la forêt. Y a pas de problème. Eh ben, il est beau ce manoir. Voilà qui est mieux. Ah. Tu sais que c'est un manoir unique. Oui. Ah oui. Ça fait du bien. Tu sais qu'on a fait 20 000 blocs pour aller le chercher. Ah oui. Tu sais, je suis F3. Ah ouais. Donc là-dedans, ils ont pris autant de blocs pour 9 diamants et 2 totems. Quel gâchis quand même. Non mais c'est quand même dingo cette histoire là. Bon, une fois que ça a fini de brûler, on pourra regarder à l'intérieur, mais là... Je fais C pour... pour essayer de bien chercher les coffres là. Franchement là s'il y a... Oh c'est trop... Putain. Là s'il y a une cave, on va la voir. Et bizarrement, je crois qu'il y en a pas. Ouais, y'a pas de cave. Ils auraient dû faire une cave quand même. Bah ouais, ça coûte rien quoi. C'est pas dur à programmer, tu fais un trou, tu mets un coffre, salut. C'est une commande console quoi, tu mets 90 diamants à l'intérieur, c'est tout. Ça va hein. Bah ça crame bien. Moins qu'avant, mais attends. Je me demande s'il y a un côté de la forêt qui est en train de cramer, je vais aller voir. Parce que... Ah non, moi, là il y a un arbre qui commence à crier. Non là ça va, il s'est... Oh, bah vache, ça pourrait vite... Après on pourrait l'éteindre, hein. Moi j'ai un seau d'eau, mais bon. Non mais ça va s'éteindre tout seul. Mais bon. C'est bien connu que les feux de forêt s'éteignent tout seuls au bout d'un moment. Oui. Et tu vois, il y a eu le débat avec l'Amazonie et tout, et beaucoup de gens disent que c'est sain même. Tu vois. Mais c'est très sain. Voilà, c'est très sain. Purge. Voilà, c'est une petite purge. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour la forêt là. Moi, je pense que ça élimine les mauvaises herbes. Mmh. On peut pas rester sur cet arbre là longtemps parce que je pense qu'il va prendre feu lui aussi, mais. Peut-être que la planète. Il y a des chandeliers qui sont résistants. Toute cette île va prendre feu finalement. Mais tant mieux, tant mieux. Ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Ouais, bah à part des pots de fleurs. Oh, regarde, des beaux melons. Oh, ça résiste au feu. C'est oh, fou. Un champ de blé. Ah, donc le blé aussi, ça résiste au feu. Bah, faudrait prévenir les gens qui vivent en forêt ou dans des milieux qui sont à risque d'incendie qu'il faut entourer leur maison de blé ou de pastèque. Franchement, c'est un petit fun fact que personne savait ici, je pense. Alors à gauche, je veux pas t'inquiéter, mais je crois qu'il y a un autre arbre qui prend feu. Oh là. Ah, ça va progresser, je pense, hein. C'est cool. C'est cool, mec. C'est top.
Bon, bah, on peut aller à l'intérieur, je pense, maintenant. Ouais, allons-y. On Non, va bah, je chercher un petit regrette pas. escalier d'eau. Je regrette pas, je suis content. Suis heureux de. D'être venu. Ça fait du bien finalement. Alors, bah c'est mieux en cobble, tu vois. Ah, alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Puis c'est moins fouillis, on peut plus facilement se rendre compte de. On aurait fait ça dès le début. Mais attends, c'est quoi ce truc-là? Ah, c'est une Sais. prison. C'est l'espèce de. Ah, la Ok, la redstone a survécu, prison. hein. Bravo. Fallait force être redstone. Ouais, C'est pour ça donc. qu'Aipierre il apprend tout le temps. Et attends, ça c'est quoi? Pourquoi en son centre il y a quelque chose ici? Parce que regarde Oh, ça. qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que que c'est que ça? ça? Tiens, tiens, Oh. tiens. Oh, un chaudron, on l'avait pas vu celui-là. Putain. Et là? Oh. Ah, tiens, tiens, tiens. Oh. Oh. Et si on monte dessus? Ah. Oh. Ok. Ah, je me souviens de cette salle. Ah, je me souviens à peu près de tout, mais ça n'a pas la même gueule. Aucun coffre. Il y a vraiment zère. On s'est vraiment fait avoir dans cette histoire. Mais là, on voit l'ampleur de la douille, hein. Eh, il est grand le manoir quand on regarde comme ça quand même. Vraiment grand. Ok. Mais il n'y a vraiment aucun coffre. Non. C'est scandaleux, mec. Moi, je m'en vais, je veux plus jamais entendre parler de cartes trésor incroyables. Je m'en Putain, fous. mais. Je m'en fous, j'en veux plus. Tiens, je vais écraser leur putain de blé là. Tiens, ton blé de merde là. Tiens, ta culture. Ah, Je la piétine. attends, on a vu qu'il y avait ça? Qu'il y avait deux étages, un étage avec des pastèques, un autre étage avec des citrouilles. Je crois. On dit un truc. Ah ouais. Mais à l'intérieur, on Un coffre. trouve. Waouh, y a rien. On pourrait faire un effort. Ok. Bah c'est top dans ce cas. Je propose qu'on rentre. Ouais. Allez, à jamais, et continue de cramer à l'infini. Ah non, c'est pré. Donc Oh, c'est là, déjà on va être éteint. reparti sur un live de 3h30 de route pour aller retourner Tiens, chez attends, nous. avant de partir. Voilà. Petit coup. Juste parce que je sens que le travail n'est pas bien terminé. Histoire que ça prenne bien là, le Il en reste. reste un peu là dans les coins là. Faut. Ah, j'ai plus de briquet, bon. Alors par contre, du coup, je sais plus où est l'entrée dans cette histoire. Ah si, ça doit être Ah, ça. c'est. C'est ici, là. Ouais, ah, c'est une entrée. On va choper l'Ender Chest et on se barre. Il y avait même pas de lapis lazuli dans le cul de la poule. Vraiment du foutage de gueule, ce manoir. Ah ouais, alors on a fait des animaux géants. Ah, trop bien, il y a quoi dedans? Ah bah rien. Ah d'accord. Bah top. Quelle arnaque, mais quelle arnaque! T'avais pris la bouffe? Parce que. Ah bah il y a des baies. J'ai plus de bouffe. J'en ai plein. J'en ai plein Alors, là-dedans, c'est là. par où? Regarde. Hop là. Ça j'aime. Ça j'adore. Donc c'est 4. C'est par là. C'est par là. On peut y aller, Terra. C'est parti. Alors, bah comme la dernière fois, si vous avez des histoires à raconter pendant qu'on y va. Ouais, ça va être long. Ça. Normalement, ça va prendre à peu près 2 heures. Plus 3h30, si c'est comme la dernière fois. Pourquoi vous rentrez pas par le Nether? Ça marche pas. On a essayé. Ça marche pas. On a essayé, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Il y avait un bug et ça passe pas. Donc on rentre à pied. Ah. Ah, ça va être long, putain. Ça va être tellement long. Ça va être très long, mais bon, je pense que les gens ils attendent que ça, non? Ils attendent le trajet de retour. Bah, moi, on me l'a tellement demandé sur. En vrai, on me l'a tellement demandé sur Twitter. C'est grand, vous faites le trajet de retour à pied. C'était trop Ouais, marrant moi quand les aussi, gens ils là, genre racontaient là, quand ils se on va le branlaient faire là. mercredi. Trop bien. TP, non, on n'utilise aucune commande console, donc non. Non, notre seul moyen c'est de. D'ailleurs, j'ai pas pris de bateau. C'est d'y aller. Bah ouais, on peut pas passer par le Nether, donc je sais pas pourquoi vous nous dites Nether. Je veux bien essayer le Nether, mais on va juste leur montrer que ça marche pas.
Allez, allons-y. Parce que sinon, ça va spammer. Donc, on va vous montrer. Voilà, on rentre dedans, on vous montre que c'est bloqué et on ressort. Bah, quel bug? Bah, tu vas voir. Bah, tu verras bien. Je vais te montrer, moi, quel bug. Montrez-moi. Oh là, il aurait fallu qu'on dorme. Oh là, les oiseaux, là. J'espère qu'ils sont pas dans le nether ceux-là. Bah là, on voit plus le manoir. Ah, c'est bon. Ah, j'avoue. Ah, si, c'est bon, on le voit un peu. Alors, le Nether. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais Damien, Mais Thomas, attends, je vais lire. dis. Je me suis motivé à vous faire un double parcours pour rentrer. Si vous partez chacun sur un rail, vous devriez être synchro tout du long. Ça m'a pris une petite nuit blanche. À découvrir à deux, pas en solo, sinon ça cassera tout l'intérêt. Des minecarts sont dispo dans le coffre. Des bisous, ours. C'est bizarre. Attends, c'est ça dont vous parliez dans le Nether? Mais Putain, mais si c'est c'est trop ça, bien! c'est plutôt pratique. Vous voulez dire que le jeu a généré tout ça? Mais attendez, c'est génial! Ah mais le fils de pute, moi je l'avais Oh, le jamais vu fils ça de par pute. contre. Oh, le Ça par fils de contre, je pute. l'avais jamais vu. Putain, Oh, le ça je fils de savais pas. pute. Prankette, vous avez vraiment cru que j'allais pas dormir pour vos beaux yeux. Peut-être pour ceux de Montero, mais bon. Vous allez devoir marcher, ça vous fera les pieds. Sinon, on s'est motivé pour le trajet avec Kaya et Heather. Pour arriver au bout, il faut suivre les blocs, facile. Terreau, t'es stock de ouf, bon trajet, mais fils de pute, mais j'avais pas De vu! pute. Moi je suis Attends, mais arrivé moi je me suis... En en fait, je m'attendais à offline. lui sucer la bite en mode de... Waouh, putain, il s'est déterré et tout. En offline, je suis arrivé là, j'ai lu ça, je suis reparti en mode trop bien, on va Moi pouvoir aussi, je voulais rentrer. pas me Mais spoil. c'est Je me un suis dit, en plus, enculé! il m'a juste enculé. Il m'a dit, ouais, on a commencé avec Merluc Mais et Aze, c'est mais moi, un j'ai fait enculé! nuit blanche pour le Mais faire. je le hais, non mais c'est Putain, mais incroyable! quel enculé, putain. Regarde, ça avait l'air trop stylé! Il a vraiment fait un petit truc genre wouhou, wouhou. Mais Putain. je t'emmerde! Je Mais à ta façon. t'emmerde! Je t'emmerde! Allez, ça marche! Bon, alors, regarde. Alors, ça va faire comment les blagues maintenant? Putain. Après, eh non, ils nous ont quand Bon, même fait un super chemin de retour dans le nether. en vrai, c'est plutôt cool de pas avoir à chercher le chemin de retour. Ouais, parce qu'on en aurait chié un peu. Ça fait plaisir. Allez, bon. Ouais, Non, je te c'est un peu rajoute, frérot. mais à la prochaine blague ou au prochain commentaire sur À mon la prochaine physique, blague! je t'encule. Attends, ils ont mis des trucs. Vous voulez une blague vaseuse? Mais Sardoche, pourquoi tu subs chez le stream? Mais quel Tu me con! fais honte, Sardoche, tu ne peux pas faire ça. Attends, c'est quoi? Tu pars par là? Mais là, attends, c'est là, là. Vous voulez une blague vaseuse? Peut-être qu'après, Sardoche, tu voulais vraiment un sub chez le stream, mais j'en suis pas sûr. J'aime bien le stream, je crois. Tu regardes tout le temps le stream, c'est ça? Par Tu sais là. qu'il a la, il a, il est dispo à la rentrée sur le stream, il fait une émission. Alors mettez Non vos mais alors, bottes. non mais alors c'est. Je vais l'enculer avec ces panneaux par contre. Tu vas tous les retirer de la whitelist, ce Parce que sera je peux gentil. encore les retirer de la whitelist. À chaque panneau, j'hésite. Et puis si le chemin est long et qu'ils ont foutu des panneaux tous les 5 mètres. Oh! Oh putain, faut pas tomber, hein. Oh putain, je me frôlais en mode oh, il y a une petite Ouais. forteresse en dessous. Wow. Alors. Oh, c'est même beau, ils ont fait ça, tu crois? Non, ça je pense pas, Link. Bah, c'est très beau. J'espère juste que ça dure pas des plombes parce que même si le nether c'est plus court. Mais je t'emmerde! Putain, sur de la pub, c'est gros con. Alors, ouais. Tu crois que ça va prendre combien de temps? Parce que comme c'était quand même 20 000 blocs dans le monde réel, dans le monde mon cul, ça va quand même faire un sacré bout de chemin. Oh, je pense qu'on en a pour une petite heure. Ah. Oh. Oh, s'ils ont fait des tunnels comme ça, par contre, c'est pratique. Là, il y a du boulot là. Là, Tu j'aime. peux retirer ton armure en diamant? Tu peux toi aussi? Ah non, j'aurai plus d'... Après j'aurai plus d'armure, j'ai peur. Vas-y. Si tu veux. Juste toi.
Mais t'es un connard! C'est pour qu'on voit ton skin! Mais il est nul! Alors, Oh, dis donc! Oh, pourquoi tu jettes tout ça? T'es un ouf, man! Tiens, c'est pour toi. Oh, une fiole vide! Je m'en bats les couilles. Bon, ça, ça va. Mais, mais regarde ce qu'ils ont fait! Qu'est-ce que... Bah, c'est une bite! Ah, ça, c'est les veines! Non, je pense pas qu'ils aient fait... Tu crois qu'ils ont fait des veines? Ah, bah, mais je si, sais t'as pas, raison, ils ont fait les sinon c'est contours! quoi? T'as raison, si c'est des veines! Je crois, hein! Putain! Elle est bien veineuse, il me semble! Oh là là. Bon, ça va, ils ont fait des escaliers. Je commence à me dire que je vais peut-être pas les retirer du serve. Attends, si on arrive avant 23h30, ils ont le droit de rester. Ça va dépendre des blagues. Ouais, j'avoue que. Ok, 23h30. Ça laisse une bonne marge, hein, sympa. Moi, j'allais dire genre 23h, mais bon. C'est dans 10 minutes. Oui, bah écoute, ça, soit c'est une solution miracle, le Nether, soit c'en est pas une, hein, et puis c'est eux qui prendront. Ok, 23h. Voilà. Toute la coto joue son sort maintenant. Mais on sprint, hein, vous inquiétez pas. Ah oui, regardez, je suis très volontaire. Mais par contre, si hop, vous mettez des panneaux, on peut perdre du temps pour les lire. J'évite le bloc. Je monte l'escalier. C'est bien pratique ce petit parcours. Ils ont mis des petites torches sur chaque bloc, tu vois. Ils étaient pas obligés, ouais. Mais ils l'ont fait. J'espère qu'ils se sont bien fait chier au moins. C'est la petite vengeance personnelle alors qu'ils ont rien fait. Mais j'espère au moins que ça les a bien fait chier. Ça, j'espère bien, tiens, parce que moi je me suis tapé l'allée, tu vois. J'espère que quelqu'un a souffert autant que moi. Ça se trouve, c'était aussi long de devoir parcourir le Nether en train de faire un parcours fléché que de faire l'allée tout simplement dans le monde normal. J'espère. Par contre, ce qui peut être marrant. Vous êtes bientôt à la fin. Chapeau, chapeau. Ce qui peut être marrant, c'est s'ils ont pensé, tu vois, que. Ok, c'est très long à faire, mais au moins ce sera utile s'ils veulent revenir au manoir. Mais on n'y reviendra jamais! Donc en fait. Non, mais ils ont dit c'est faux. Non, mais vas-y. Je mais... vous emmerde. Ah. Je vais revenir à la maison avec 60 panneaux. Donc au moins, on peut être soulagé en se disant que ceci ne servira plus jamais. C'est vrai que c'est très éphémère comme parcours. Parce que moi, j'ai pas envie de retourner au manoir. Mais pourquoi on y retournerait? Peut-être qu'il reste un diamant. Dans la cobblestone. Oh, la belle ligne droite. Ouais, mais attends. Regarde derrière toi. Tu veux me dépasser, là? Non, mais t'as pas vu ce qu'il y a derrière? Ils ont fait un énorme schéma. Là, tu le vois pas si je suis devant. Y'a rien. Je regarde sur les côtés, y'a rien, tu veux me dépasser. Je suis dans ta tête. Oh. Mais t'as mis un bloc. T'as vraiment fait ça. Je me suis dit, quitte à le coincer, autant qu'on s'en coincait tous les deux. Ah, je reconnais là, on est arrivé. Attends, on est en combien là? Ouais, ça va. Ça va. Ça dépend, tu connais les coordonnées de base toi? J'ai un petit souvenir. Ah. Attends, faut aller où là? Ici. Ah. C'est beau de pas se TP quand même. Et si l'un de nous tombe dans la lave? Genre maintenant? Genre là, dans cette mer, ouais. Cet océan de lave qui est très menaçant. Et bah... qui dit qu'ils ont pas fait un parcours fléché et ça va nous mener genre pas du tout à notre destination, à la fin il y aura un panneau genre prank aid. Oh, ce serait trop drôle. Non, ce serait pas drôle. Vos gueules. Non, c'est pas drôle. Non, par contre, si je tombais dans la lave maintenant et que je perdais tout le stuff que j'ai, genre dans la lave, du coup, impossible de récupérer et tout. Franchement, est-ce que j'arrête Minecraft? Peut-être. Peut-être. Mec, ça voudrait dire que toute cette aventure manoir aura vraiment servi strictement à rien. Mais toutes les aventures Minecraft survival se finissent dans une petite flaque de lave, hein. C'est toujours pareil. La fois de trop, quoi. Oh, je veux qu'on... Non, avant de partir de Minecraft, je veux qu'on essaye de faire un bobsleigh. Eh, on pourrait pas en faire... J'ai un bateau ici, ça marche pas? Bah non, t'as pas de neige. Non.
Ah, Putain. je suis perdu. Ah. Je suis pas perdu. Il est bien ce petit parcours là. Putain, j'ai vraiment failli mourir. Je regardais le chat. Tu cherches en même temps. Ah, j'ai vraiment failli crever, ça fait chier. Vous m'avez vu, hein, sauter vers le vide là. Je regardais le live. Le chat. Je me demande combien ils sont ces cons. Attends, me dis pas qu'il est en train de. Minecraft fou épisode Qu'est-ce qu'il 4. fait là? Qui est quoi? Ils sont tous en train de dire GG à Sardoche. Il aurait Je n'ai pas pas. compris. Je sais pas, je me dis qu'il a peut-être offert des subs sur le stream pour terminer. Non. Je sais pas. Vas-y, mais. Pourquoi vous dites que je drop là? Je drop ou pas? Ah, sur. Oh, je drop sur. Pourtant là, je. Attends, je fasse une petite pause parce que. Le live drop. Oh non, des fois oui, des fois non. Normal. Il y a eu des petits lags. Mais sur la VOD, ça lag pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est plus important même. C'est très important. C'est peut-être parce que toute une forêt est en train de brûler quelque part dans le monde. Je parle pas de l'Amazonie. Arrête. Je ne veux pas mourir. Il s'est fait chier, hein. Il s'est fait chier parce que. Parce que. Il s'est fait chier parce que maintenant je dois faire ça. Il s'est emmerdé à le faire. Non, non, arrête. Veux-tu? Veux-tu? Genre, en plus, je sais pas où il creuse. Waouh! Arrête, arrête. Je m'en vais. Tu peux te mettre derrière moi? Genre, c'est comme si c'était pas assez chiant en fait, comme si ça a zéro intérêt ce qu'on est en train de faire, et en plus, j'ai un nuisible devant moi. Un parasite. Un parasite. Regardez, tout ce qu'il veut, c'est prendre assez d'avance pour m'enculer. Réfléchis à des pièges. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Oh là, une plateforme très très mince. On peut pas foutre deux. Mais il y a un. Il est intenable. Mais il est intenable ce gars-là! C'est vraiment un farceur, putain! Arrête! Oh là là, Non chaque mais passerelle est. je prendrai pas le risque que tu crèves. Chaque passerelle est un peu. Ah ah! Et non, il y avait rien en dessous. Putain, j'ai vérifié quand même pour t'engueuler. Oh, j'espère qu'en faisant tes blagues là, tu vas te précipiter dans la lave. Tu vas pas faire gaffe. Je te jure que je pense que non seulement j'arrête Minecraft, mais j'arrête le live. Genre définitivement. Ah, nice. Et je refais des podcasts. Un podcast sur la lave. Si tu tombes dans la lave, tu fais Particulièrement un podcast précis. sur la lave. Le premier de nous deux qui tombe dans la lave fait un podcast sur la lave. No fake. C'est drôle comme truc. Oui. Ça peut marcher pour même pas ce trajet, hein. Genre, prochaine Ah fois ouais, qu'on non, t'es live, chaud. l'un de nous Ok. Prochain qui tombe, qui meurt dans la lave, hein. Pas qui tombe juste qui dans la meurt lave, dans qui la meurt dans lave, la lave. sur n'importe quand, pas hors live, hein. C'est en bas, là? Sérieux? Bah, je l'ai pas trouvé, donc je suppose que oui. Ça va être bien, un podcast sur la lave. Putain, un podcast sur la lave, mec. C'est qualitatif quand même, hein. Pense que la Norman, il tremble, il arrête sa carrière. Après, ça peut être. C'est la. La consigne est ouverte, hein. Tu peux faire un podcast sur la vraie lave. C'est moins drôle. C'est quoi le podcast sur la vraie lave? Ah, c'est carrément moins drôle. C'est moins drôle. Vous saviez que la vraie lave était plus de 3000 degrés? Oh, dis donc, ça brûle ça. La dernière fois qu'il y a eu de la lave en Il y Auvergne, avait une c'était il y a surprise plus de derrière 3000. vous. Panneau. Je. Quelle surprise! Où ça?
vois ça? Non. C'est toi qui vas devoir passer, pas moi. À toi le beau podcast. Trop loin. Loin. Ah non, c'est là. Qu'est-ce que... Je ne vois aucun système de redstone apparent. Pas de blague possible. Bah t'es où? Moi? Ouais. Bah, je suis resté en arrière. Mais j'ai besoin de toi. Pourquoi t'as besoin de moi? Il y a un levier lin qui est un levier terreau. Terreau. C'est pas vrai. Je pense que tu mens. Ah, si, il y a de la redstone. C'est vous. Ok. Ah mais c'est Désolé. nous! Putain, j'avais pas vu! C'est pas des leviers, c'est des bras! Attends, mais Oh! de quoi tu parles? Il y a un petit bonhomme Link et un grand bonhomme Terra avec une énorme tub. Quoi? Si, je Je t'assure. pense que tu mens, t'es en train d'inventer ce que tu vois pour que je vienne avec toi. Non, non, je t'assure, je t'assure. Mais t'as vu, je t'assure, il fout la merde! Je te le dis comme je le vois, deux bonhommes. Pourquoi t'as un accent du sud quand tu mens? Je te le dis. Allez, viens. Je sais que tu m'as préparé un super prank, ou... mais maintenant, en plus, tu peux pas passer vu que t'as enlevé le pont, c'est ça? Je trouve un autre moyen de. Tu veux que je t'envoie un screen? Non, c'est bon, je vais venir. Même si je pense que tu mens. Oh non, c'est la merde. Oh putain, je fais comment pour venir Oh, là? ils ont fait des culs. Et moi, j'ai un petit trou du cul. Quoi? Attends, non. Je pense que tu mens. En vrai, il y a forcément un piège, c'est pas possible. T'entends raconter des conneries. Je ne mens pas. Comment je pourrais inventer ça? Des petits bonhommes de cobblestone qui ont des trous du cul. C'est pas possible. Il invente, mais là à côté on est capable, mais il invente. Attends, mais t'es où? Comment je fais pour savoir où Je t'es? sais pas, j'ai suivi les torches dans le sens arrière. Regardez-moi Ah, ça, il a ok. dû refaire le pont là. Bien fait. Par là. On est passé devant en mode Osef. Attends, mais j'ai vu ça tout à l'heure, mais c'était. Mets-toi comme ça et regarde mieux. C'est des bras! Ah, Regarde! mais c'est des cons! Coucou! Regarde si tu me vois pas. Coucou! Coucou les amis! Pourquoi ils m'ont fait un chibrax, moi? Il marquait quoi? T'en fais un Ah, mais oui, gros. c'est vrai qu'il y a un petit T'en trou du fais cul! t'en fais un gros Un cul là! petit cul, toi, t'as un grand cul avec un tout petit trou du cul! Voilà. Au revoir les Ah. amis. Au revoir! Bon, chacun son point. Ah, vraiment un farceur. Mais il l'a. Mais il. Oh bah, t'as commencé à le casser, hein. Mais je stresse! Je vois un podcast en bas, il est énorme! Allez, Y a Norman qui crie au fond, ouais, viens! viens, On l'écrira ensemble! c'est pas si mal, même en 2019! Mais il est sérieux! Mais il est sérieux! Il est fou le mec en fait! Hein Regarde la taille du truc que j'ai fait. putain, mais. Il a eu le temps de construire une putain de muraille! Et si tu m'avais pas interpellé avec tes conneries là, Ah j'aurais bah le temps de faire un tour t'aurais aussi. bouché la forteresse, je le sais bien. Ah, il est 23h là, et on n'est pas arrivé. Oh bah, j'ai pas le temps de taper les whitelist remove maintenant, mais c'est pas l'envie qui manque, hein. Après, on a été stoppé par. Oui, non, mais si vous nous stoppez avec vos blagues, c'est Bah votre non, mais ça faute. compte, hein, c'est leur truc. J'ai vraiment peur qu'il nous ait pranké jusqu'à la fin. Franchement, ça me titille l'esprit aussi. Putain, ils ont dessiné un gros Mais arrêtez chinorax. de faire des bites! Ils ont marqué quoi? Il y a un gars dans le tas qui Je te t'apprécie, vois hein. tel quel, Montero, bisous. Putain, mais. Il y en a un deux qui t'apprécie, je Non, c'est suppose. ours, il passe son temps à se foutre de ma gueule, donc c'est ours. Par là. Parce que à la base, j'avais. Il y avait le
les nouveaux suites qui sont arrivés. Et du coup, genre, je l'ai porté et je l'ai pris en photo pour leur montrer à quoi ça ressemblait. Mais du coup, je me suis pris en photo dans le miroir juste parce que bah, fallait bien montrer à quoi ça ressemblait. Et ce fils de pute de bourse, il a marqué: T'es stock de ouf, terreau. Et du coup, c'est resté quoi. Ok, je pensais qu'il y avait un trésor. On s'en va. Non. C'est pas la forteresse qui est près de chez nous, ça? Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Mais bon, je les détruis même plus. J'en ai marre. Non, je pense qu'on n'est pas arrivé. C'est pas la forteresse que chez nous, ça. Je pense qu'on est loin encore. Sais pas ce que tu poses derrière moi, mais je l'entends. Non, je fais des... Je consolide. Nique ta mère. Je consolidais. Je me suis retourné vraiment vif. Oh! Je vais avoir le peur pour toi. J'ai voulu retirer ma main du clavier et pour une raison inconnue, un doigt est resté. Wow, putain, mais vraiment, je pourrais mourir. C'est pas bien quand je fais ça. À deux doigts d'écrire son meilleur podcast. Tout le monde l'a vu. Arrête, merde, déjà que tout seul je Ça, tombe. regarde, tu dois faire des sauts. Ok, Je t'ai laissé les mains. je joue avec toi. Putain, ouf, franchement, je l'aurais même pas tenté. Je joue. Je suis joueur, j'adore le jeu. Ok, ça saute au-dessus de la lave. Non, pas par là, au-dessus de la lave, t'es joueur. Tu sais qu'on peut pas s'éteindre, hein. Je Non, suis je parlais pas de joueur. la lave, je parlais de la rivière de lave. Ah ouais, non, merci, ça va. Tranquille. Oh! Mais t'es un ouf! Mais t'es un ouf, fils de pute! Mais moi je le fais pas quand t'es derrière moi, je le fais pas sous toi, je le Oh fais avant! putain! Alors celle-là, même moi j'ai eu peur pour ma vie quoi. Je me suis dit, il va Jure, me je t'aurais tuer. écrit le podcast à ma place. Oh putain! Oh j'ai Mais regardé en dessous direct. c'est même pas drôle! Moi, genre, je le fais loin, tu sais, pour que t'es obligé de mettre des blocs. Toi, tu l'as fait sous moi! Oh putain, ce que je t'ai mis. Oh. Oh là, je fuis. Wouah! Ah, il est enchanté ton arc, non? Oui! Il fait mal, Il est puissance 5! hein? Ah ouais, je vois, là, ça tape, hein? Ouf! J'ai pas Alors, d'armure, en plus! j'avoue, j'aurais pu te tuer en fait. Ouais. Mec, t'arrêtes tes conneries, n'y pense même pas. Non, On est j'ai... trop près l'un de l'autre. Non, là en plus on est trop près du but, ce serait trop con de faire un... Je trace, je trace, je trace, je trace. Arrête, arrête, je sais. Je vois pas s'il y a un trou, il y a trop de lumière. Mais vas-y, tu me fais transpirer des doigts. Moi aussi j'ai les mains moites. Sans déconner. Et c'est quand qu'on arrive, putain? Mais c'est super long, je te l'ai dit! En fait, il est plus éprouvant psychologiquement comme trajet. C'est bon, quand y a deux cons qui baladent ensemble. C'est pas le chemin. Je prends l'avance. Oh, c'est la merde! T'as posé un bloc. Non. Arrête, c'est bon, ça va, t'en as retiré pas mal là. Attends, je te fais le jeu des damis. Putain de... Oh, attends, sans sauter. Arrête! Oh putain! Oh, j'ai... Après mon saut, je me suis dit, mais non. Arrête, ne me suis pas aussi près. Non. Là, mec, il y a un seul, trop risqué, on ne le tente pas. Merde. Mais putain, pourquoi c'est de plus en Non, plus étroit c'est leur très truc fin. là? Il y a des panneaux en plus. Ok. No, vas-y, no déconne. Tu sais quoi, on se met en mode no déconne. Ce panneau va te pousser, attention. C'est vraiment des chiens. Ouais. Vas-y, ta gueule. Je dis ta gueule au panneau maintenant. Eh bah, c'est pas tout près quand même. 100% il tourne en rond. Mec, ce serait horrible. Oh, Pire que t'imagines? de prank aid, juste c'est une boucle. T'imagines la torture?
Hey, si t'as des couilles, ferme les yeux et avance tout droit. J'espère qu'il va pas me pousser le cochon. Vas-y, je ferme les yeux jusqu'au bout. Comment on fait pour savoir si tu dis la vérité? Oh non, 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 mais je stresse de ouf, mec, c'est pas possible. Oh god! J'ai rouvert les yeux! J'ai rouvert les yeux! Oh putain! Oh putain! Franchement, le moment où j'ai crié, c'est juste que j'ai rouvert un œil. Putain! T'as fait un gros décal devant moi, un centimètre près du vide! J'arrête les jeux, je veux plus jouer, je veux plus jouer! Mec, je te jure, je l'avais pas vu, le trou, il arrive d'un coup! Je veux plus jouer avec toi! C'est quoi ces idées là? Attends, ça t'esquive! Oh putain! Je crois, bon, après, il n'y avait pas de l'avant-dessous! Ouais, je pense que je serais pas mort de chute! Écoute, t'as pas d'armure, hein! Ah ouais, je serais mort de chute! Donc ton excuse là de retire ton armure pour qu'on voit ton skin, c'est des conneries en fait. Non, c'est parce que comme ça je te filme et t'as le skin Link. Ah c'est cool man. C'est par où là? Bah, c'est où? Ah, la ah, torche. Mais j'ai rouvert mais pile au bon moment quoi. C'était hyper tendax ça. Oh. T'as vraiment fait un décal. Quel chien. Genre quand c'est moi devant, il a ah non 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 non, non. J'ai pas fait de trou, tu peux pas tomber. Ah non, sûrement pas. Oh putain. Oh c'est là. Oh le portail. Ils oh, nous ont vache. Pas troll. Oh le plaisir! Tu as fini tes conneries? À la maison! Ah! Quoi? Bienvenue pour ton défi, bulle de sous-espace. C'est quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais on peut enfin mettre toutes nos trouvailles à l'intérieur de la maison là. Ah, ça fait Et bien enfin d'être arrivé. Hein. Tout le butin. Ça fait du bien. On se sent mieux. Ah, je me sens léger. Il est 23h12. Ça donne le temps de faire un bobsleigh, ça. Ah, ça des pancartes à la con. Ouais, c'est vrai qu'à force de casser les leurs, j'en ai récupéré. Ah bah ça fait, hein, à force. Tu as aimé ce nouveau système de tri et de coffre? Très sympa. Ça en jette un max. Ah ouais, oublie pas qu'on a un bon gros contenu dans les coffres. Dans les coffres qui se. Mettent dans le sac ouais. à dos là. Ouais, ouais. Il y a une soupe suspecte que j'ai laissée dans le, ouais, je... dans le coffre. Qui la boit? Et je me suis dit, bah, y a bien nous deux qui va la boire quand même. Quand est-ce qu'on la boit cette super soupe? Du pain, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, regarde ça, mec! Ça, c'est genre. Trop beau. Regarde. Hop. Tu vois, là, tu te dis. Je ne sais pas ce que c'est, et eh bien regarde. Oh, c'est un bonhomme. Mais. C'est pour poser ses vêtements? Oh non, mais ça c'est. C'est pas genre trop bien. C'est pour s'entraîner. Ah oh pardon. Putain. C'est pour tirer à l'arc dessus. Et les échafaudages aussi, c'est super pratique, regarde, viens dehors. Ah ouais, j'aurais vu les échafaudages, j'ai jamais essayé. Parce que j'ai enfin compris pourquoi c'était bien. Ça se détruit en un coup de main. Là, tu fais ça. Tu vois, tu vises le bas en fait. Et en fin de compte, hop. Ça marche comme une échelle, ah. mais que tu peux. Et là. Et hop, d'un coup. Hop. Ah, c'est bien ça. Du coup, super pratique pour les construire. C'est pas mal, man. Trop cool, frère. Trop plaisir. Mais on n'avait pas de chaudron. Ah ouais, et puis là, maintenant, il y a plus des coffres. Alors, wow. Ok. Est-ce qu'on met les fioles vides? Ça n'existe pas, cet objet-là.
Tu as le vide? Si, il y en a ici. Ouf, tout en haut. Ah, yes. Ok. Eh, c'est bien ça, on a pas mal de fer. J'étais un peu en chien de fer. Hop, full laine. Laine et terrasse. Oh yes! Le nombre de personnes qui écrivent laine à cause de leur correcteur orthographique. Ça me fait trop rire à chaque fois. Salut laine. Ah ouais, les selles et les armures comme ça là. Pour gagner de la place, je les ai mis directement à l'enclos où il y a nos chevaux. Je me suis dit que c'était plutôt logique de trouver les selles et les armures là-bas. Mais je vois que mon salaud, t'as mis une armure en diamant à ton cheval aussi. Oh que oui! Je et me merde. Suis pas privé. J'étais content d'avoir trouvé, je me suis dit waouh, c'est méga rare, il l'aura jamais et on pourra différencier nos chevaux. Voilà, je vais alors, il s'avère que je l'ai trouvé. Putain, je suis sûr que c'est rare pourtant. Ah ouais, je l'ai jamais vu avant. Alors la bouffe, ah pas mal. T'as vu toute la bouffe que j'ai mis dans le truc pour la viande et tout. Ton totem. Quoi mon totem? C'était pas ton totem? Je sais pas, oh. j'ai deux totems sur moi. Donc. Mec, il y en a trois dans mon coffre. Au final, on va dire que le tout premier, je l'ai gardé de côté, c'est symbolique, c'est celui qu'on a fait quand on a tué le premier, mais au final. On est riche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous en remets avec tes conneries? Ouais, viens faire un bisou à ton père là. C'est quoi de la terre stérile là? Ça sert à quoi? Terre stérile. Je pense que c'est juste qu'il n'y a pas d'herbe qui va pousser dessus. Ou alors ça doit avoir une autre utilité. C'est fantastique ça. Pousse de chêne noir. Bah t'en as plein maintenant. Bah ouais, mais on en a pas dans le jardin de ça. Alors que c'est de la belle bête pourtant, chêne noir. Bah voilà, je suis pas mal. Ouais, je vais me refaire une petite santé. Ah bah faut que je récupère mon coffre déjà. Putain, la boîte de Shulker là, qu'est-ce que c'est pratique. C'est incroyable. Hein. Franchement. Fantastique ce truc. Hein. On tu est m'aurais dit, refait. Pas un cadeau. Voilà. Et ben voilà. Oh putain. Mais t'es un fils de pute, c'est pas comme sort. Je sais pas. Mais ça va casser mon... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une épée cassée. Moi aussi, parce que je me la suis pris dans la gueule en fait. Espèce de sous-merde. Est-ce que tu crois vraiment que l'idée vient de moi? Pff, j'ai un cœur d'or. Pourquoi tu fouilles dans mes... Je mets une houe en diamant. J'ai un cœur comme ça. T'as raison, c'est bien. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié, il y avait la banque moche. Ah, faut que t'ailles faire visiter la banque moche. Moi, je la trouve pas si moche. Mec, si, elle est hideuse. Ok, peut-être pas à l'intérieur, ça passe, mais à l'extérieur, mec. C'est... Alors, vous allez tous noter... Non, bah, c'est des connards Quand j'ai fait une montagne, je me suis donné au chat, hein. Ils m'ont enculé. Oui, mais toi, tu prétendais qu'elle était belle, ta montagne. Moi, j'ai conscience Ah, que... mais c'est ce disque de merde, il est à chier, mais putain. Oui. Oh, j'ai trop le seum. J'en ai un. J'en ai un autre. Mais je me souviens qu'il y avait des bonnes musiques à l'époque, on en avait trouvé des pas mal. J'ai... Oh non, oh non mais c'est la messe, elle est horrible. Ouais, en fait on en a pas de bien, faudra qu'on en trouve une bien un jour. Allez, prenez vos calepins. Bon, notez du 1 à 10. J'ai voulu faire une déjà, salle au trésor. Aspect extérieur, voilà, Terracy déclique-nous ton projet pour l'aspect extérieur. Alors, non mais... En fait, je voulais donner un aspect classe et moderne. Ouais. Donc tu dis je vais entourer le truc de vitre et je vais le faire carré. Résultat c'est dégueulasse. Mais attends, le pire c'est que, observe bien, je me suis fait chier alors que c'est moche, mais les vitres, il y a des dégradés. Oui, elles sont teintées. Regarde... Ah, en dégradé en plus. Teintées en dégradé. Regarde sur les côtés. Regarde sur les côtés. Genre, c'est... Il y a un effort alors donc, que c'est moche. Donc il y a un effort. Et ça, il faut le prendre en compte dans vos notes. C'est voilà. Vraiment trop triste. Maintenant, on va passer à la décoration intérieure. Alors l'intérieur, en vrai ça va, c'est pas alors, catastrophique. Côté pratique, on a des boutons pour entrer, d'accord. Là, on a un présentoir pour alors, un œuf de par dragon. Contre, non, le présentoir, je le trouve vraiment classe. Avec en les vrai, guerriers. Faire le même. Avec les guerriers, ça c'est beau. Et il y a même la date de l'autre côté. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est, on aime l'idée.
Et moi, j'ai bien aimé faire une vitre là. Je trouvais ça cool. Je l'ai mis sur un bloc en plus de lumière et la nuit, ça en jette un Ok, max. et ensuite Alors, on par a contre, des tas. effectivement, je voulais mettre des tas de richesses. Le problème, c'est qu'effectivement, on dirait des Lego. Quoi? J'avais pas pensé à cette éventualité-là. Donc là, on est sur Tetris. Ah, je suis rentré dans Dégueulasse. ton. Non, ouais, en vrai, c'était triste de ouf. Hein. Putain, mais. Il y a un bon Tetris, mais voilà, je vous laisse. Mais tu sais, avec les lanternes, je voulais donner un aspect un peu, tu sais, genre Harry Potter avec les lanternes à différentes hauteurs. Mais Mais moi, j'aime final. bien. Ah, noter les différentes hauteurs. Moi, j'aime bien l'extérieur. Enfin. Je sais pas pourquoi. Moi, je le C'est trouve vraiment hideux. original. Moi, l'extérieur, j'aurais donné un. Un bon 6, tu vois, un bon 7. Oh, mec, tu fais plaisir. Parce que je vis mes 4 Tu à vois, l'extérieur quand même. à l'intérieur, j'aurais donné. Mais c'est pas. C'est la faute des blocs aussi, s'ils sont aussi criards là. En fait, effectivement, il aurait fallu faire des tas uniformes. Un tas d'or, un tas de diamants, un tas Et d'émeraudes, pour ça, je te etc. donne un 5. Mais Oh non, avec mais ce attends là! présentoir, avec ce T'es nul, le présentoir, présentoir! avec ce présentoir, je remonte à 7. Ah, merci! Et maintenant, prenons l'aspect pratique, utilitaire. C'est une banque. C'est plus, disons, une salle de trophées. Là, il y aura un autre présentoir avec le totem que j'encadrerai dans un truc. Ce sera tous D'accord. les trucs rares et les richesses qu'on a qui seront dans les. D'accord. Mais. Non, mais écoute, mec, c'est moche. Alors, je vais tout refaire. C'est-à-dire que déjà, je vais arrêter l'aspect métal. Je vais faire un truc semi-enterré. C'est-à-dire que à l'extérieur, ce sera une hauteur de 3-4 blocs de haut avec des vitres et un mur côté bois. Et en fin de compte, tu descendras au sous-sol et ce sera très haut de plafond, mais semi-enterré, et avec couleur pierre. Et ce sera des tas pareils d'argent et des présentoirs avec des trophées. D'accord. Parce que là, vraiment, je la trouve dégueulasse. Je peux pas. Dès que je l'ai. Mec, j'ai mis vraiment genre 3 heures à la faire. Et à la fin, meuf, elle a fait c'est Ah. moche, et j'ai fait ouais. Ah, c'est terrible ça. Tu sais, elle regardait derrière toi puis elle t'a laissé finir. C'est Non, mais moche. quand j'ai regardé Ah. à la fin, j'ai fait genre ah putain, c'est moche. Voilà, donc Peut-être ce que sera vu de haut, refait. c'est pas si. Non, non, c'est moche. Le mec, Ah, il manque un petit truc, hein, c'est. je suis conscient. Et crois-moi, ça a été long de faire toutes les vitres et de les teinter et de les faire un dégradé et tout. Il y a eu de l'échafaudage. Hein. Et attends, les trucs noirs que tu vois, c'est pas juste des blocs. Hein. Ça, c'est du ciment teint en noir qui a été mis à l'eau pour le durcir et tout. Hein. C'est, Il s'est ça a fait été chier en fastidieux. plus. Ah, salut! Et voyons voir combien t'as réussi à récolter de bambou, toi, avec ton usine depuis plusieurs Ah, jours. mon usine. Alors, elle est surpuissante, hein. Attention, on n'en a pas récupéré, on n'en a pas pris. À part depuis la fois où on a. Eh Alors, bah ça, c'est pas mal, c'est ça! depuis la randonnée vers le manoir. Donc Ouais, donc voilà, ça on fait est sur un longtemps. rendement d'à peu près 15 cannes à sucre par jour. Donc voilà, Et c'est. encore. Oh, ça va! Voilà, donc je suis assez content. Notez là sur 10 le rendement. Et alors, notez sur 10 le rendement. Faut se dire que ça, c'est. Voilà. Ça fait quand même 3 fois 64 plus. Déjà, si on n'avait pas assez avec 3 stacks, 31. C'est du rab. Voilà. Et On se met bien avec pendant que autant je de pierres. parle, ça en a rajouté. Bon, 0, mais ça va pas tarder. Voilà. Et C'est là, tellement long. notez l'aspect extérieur. Sans oublier le tableau de Fanta. Et les Moi, c'est tableaux grâce à de Fanta. derrière. Vais essayer de décorer parce que bon. Allez là, ils vont pas tarder à s'actionner. Non, mec, si t'attends que ça se coupe, c'est très long. Hein. Ça va Même si pas. là, c'est sur le point de le faire, c'est Ça va très pas long. tarder là. Si ça arrive dans 10 secondes, je suis le boss. Ok, tout le monde. 10, 9, 8, 7, 6 paires. Ils doivent faire un podcast sur la canne à sucre. Non, 5, non, non, non. 4, Allez, 3, pousse. 2, Pousse. 1, Pousse. 0. Pousse. Pousse. Ton truc, il est si lent. Allez, pousse. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la canne à sucre, ça pousse hyper rapidement. Faux! Si Mon vous chat, entendez. Sergi, il arrête pas de manger la canne à sucre à chaque fois. Si vous Pa-la-pa-pa. entendez un petit. Et là, on a fait le tour des blagues sur la canne à sucre, non? Je pense.
Si vous entendez un petit piston là, c'est que vous connaissez les bails, vous savez ce qui s'est passé. Il y a une surproduction là. Notez sur 10 l'aspect esthétique d'avoir entouré notre village de bambous. Bof. M'en fous. Putain. M'en fous. Quand je vois toute cette putain de canne à sucre, j'ai l'impression qu'il fallait juste la planter au bord de l'eau et puis c'est tout. Bah oui. Et attends, et mon pont? Tu l'aimes bien, mon pont? Alors, il y a plusieurs ponts. Celui-là, là. L'autre, c'est un petit pont. J'aime bien les fondations dans l'eau là. Ouais, t'as vu ça? C'est symétrique. Ça va, Christina Cordula, on ne dérange pas. J'aurais peut-être relié les deux. Ça fait très fin comme poteau. Je suis pas assuré de la stabilité du pont là. Mais ça reste un joli pont. Voilà. Mec, je me suis fait chier à faire toutes les sorties extérieures aussi, pour qu'on puisse sortir sans galérer. Est-ce qu'elle est pratique? Est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne. Ouais, pas mal. Mec, un peu désobligé. On fait un bobsleigh? Vas-y. Je fais un Il faut faire bobsleigh. comment? Ah. Normalement, c'est avec un bateau dans des blocs de glace. Mais je sais pas comment on le lance, par exemple. Avec un piston? Je sais pas, j'ai jamais vu en fait, vraiment. Je connais pas. Mais on a. Attends, moi je croyais qu'on juste on se mettait dedans et qu'on avance. Ah, je ne sais pas. Faut juste avancer. Mais c'est tout. Je crois qu'il y a un réel Alors? système, genre Moi j'ai mon bateau. un petit tips assez Et sympa. là, t'as de la glace ou pas? Je sais pas Bah comment ça non, marche. bah non. Bon bah. Il faut une pioche touchée de soie. Ah. Pourquoi? Pour, apparemment pour retirer la glace. Comment on fait? Je sais pas comment on fait mec pour faire un bobsleigh. Ah ouais, toucher de soi, on n'a pas ça. Ah oui, parce que si on veut prendre les blocs de glace, d'accord. Si j'avais une pelle avec 4 trucs actifs dessus. Elle était d'art hein, de ouf. Genre vraiment en une fraction de seconde je détruisais 5 blocs. Enchante. Ouais, mais Et ça je se suis passe pas tombé comme dans la ça. lave avec. Oh, mais non! Enchante. Ouais, non, mais je sais bien, mais. Ouais, non, mais pour trouver On n'a pas le le bon bouquin. enchantement. Et. Si je vous mets une pioche comme ça, là, dans le cul. Efficacité, solidité, et puis c'est tout. Ouais, fais voir, moi, je vais avoir quoi? Toucher de soi! Mais il faut que je Pouh! sois niveau 30. Mais il faut que je sois niveau 30, mec, je suis niveau 14. Mais j'ai touché de soi, là. Hein. Mec, là, c'est. Dans la boîte à Benko directement. Hein. Ça c'est. Mais le problème, c'est que je suis niveau 14, il faut être 30. Et le temps que je Attends, sois. c'est une pioche en. Ça change selon l'item que tu mets? Ou c'est toujours pareil? Ah, ça me ferait chier parce que je l'ai fait avec une pioche en fer. Je vais regarder avec une pioche en diamant. Efficacité 2, efficacité 4. Merde! Ah, donc ça change? Ça change apparemment, si on en refait Bon bah, d'autres. je peux le faire, mais avec une pioche en fer. T'avais combien d'XP, tu m'as dit? Alors après, mec, il y a une technique avec les livres. Mais par contre, si toucher de soi, c'est niveau 30, ça sert à rien. Je suis niveau 14. Tue-moi. Mais je vais pas avoir assez d'XP, mec, ça va pas me donner la moitié de ton XP. Et par contre, c'est vrai ce que tu viens de me dire, mais grand plaisir. C'est bon, non, on a dit que ça allait pas faire assez. Mais fils de pute! Je suis Attends mon accord! Tu m'as dit tu me vois. Oui, mais après j'ai réfléchi. En plus, je suis passé que de niveau 14 à niveau 17. Oh mais putain, mais ça a servi à rien le chat, vous êtes des animaux, putain. T'étais niveau combien? J'étais 25. Oh la vache, non mais mec, t'es con, t'étais sur le point d'être sorti T'aurais niveau 30 toi. dû me donner ton outil. À la limite, toi, c'était toi qui devais me tuer. Bon bah maintenant c'est définitivement mort. Putain. Comment on fait pour XP rapidement? Vous êtes des animaux. Quelle est la technique pour XP rapidement? Faire ma XP. J'ai regardé sur YouTube et il y avait un truc qui avait l'air vachement bien. Et après, il y a des gens dans les commentaires, ils disaient: Ah, c'est cool, mais en fait, c'est ultra lent. Donc Putain. après, j'ai dit: Bah, c'est de l'arnaque, je le ferai pas. Bon, attends, j'ai une idée.
À un moment donné, il faut Mais prendre on le peut. taureau par les cornes. Après, dans le Nether, le plus rapide, c'est dans le Nether, les blocs de Non, le truc quartz. avec les blocs blancs, là, c'est de la connerie. Franchement, ça va plus vite entendre des animaux dans ta ferme que ce Oh que je vais bah, faire il vous a d'ailleurs. claqué le bec, parce que moi j'ai trouvé ça assez rapide. Mais. Oh, je trouve ça terriblement lent. Ah, ça va! En vrai, non. Pas Regarde, je suis terriblement. niveau 17, je vais tuer les cochons et les poules. D'abord, je les nourris parce que sinon, je vais décimer tout le monde pour rien. Tiens, tu peux me nourrir tous les petites poules avec moi là. Et tu jettes tous les œufs aussi pour en avoir plein. Et tu verras. Là, tu vois, regarde, rien qu'en leur donnant à bouffer, je suis passé niveau 19. On te rappelle, j'étais 17, hein. Bon. Ah oui. Hein? Le quartz. Il y a de la poule, hein, tu peux y aller. Hein. La poulasse là. Tu vois, je suis déjà niveau 20. Putain, bah si tu m'avais donné ton outil et que j'étais resté level 25, et bah peut-être que je serais 30. C'est pas ce que tu m'as proposé? Tu m'as dit de tue-moi. Oui, mais je plaisantais. Non, parce que t'as pas attendu, hein. Quand j'ai dit non, t'as continué. Hein. Genre, à aucun moment t'as Non mais douté. c'était un nom timide. Oui. Alors ouais, attends, je vais tous les buter. Ah par contre, non, attends. Fais gaffe parce que sinon tu vas ramasser l'XP. Ouais, m'en fous. Je la veux ton XP. Bah non mais il faut que je sois niveau 30 pour prendre toucher de soi. Il me faut une épée. Ça va plus vite avec une épée. Pas sur moi pour t'aider. Tu peux me ramener une épée. M'en fous. Je te ramènerai pas d'épée. M'en fous. Ah, j'ai même plus de hache. Putain. Peux me donner une épée, s'il te plaît. Merci. M'en vais. Est-ce que c'est comme ça? M'en fous. Parce que c'est comme ça, je vais dans le Nether miner du quartz et genre je serai 30 avant toi. Bah tu sais quoi, vas-y, on verra. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut le trouver. Si j'avais 150 blocs de quartz devant moi, bien sûr que. T'as juste à poser une torche au sol et ça te fait 8 blocs de quartz qui apparaissent. Non. C'est faux. Effectivement, c'est faux. Effectivement, Mais c'est faux. j'ai senti le doute en toi. Bah tu vois, niveau déjà 24 entoure ma ferme. Putain, j'ai plus d'XP. Je suis triste. Non, je vais pas aller dans le Nether, putain, je vais quand même pas faire ça. Et t'as nourri les vaches et les moutons ou pas? Non. T'es bien sûr? Sûr. Il a l'air d'être sûr. Ça m'emmerde. Je suis vraiment sûr. Bah, du coup, je vais le faire. Putain, je vais tellement être 30 avant toi. T'es combien là? Je suis 6. Enfin, Et t'es ça ne fait mort. que augmenter. T'es mort. Ah, mais il y a une forteresse ici, c'est chiant. Bon, je vais peut-être pas te battre. Tu sais, ce qui est triste, c'est que je suis 25. Autrement dit, toi tout à l'heure. Donc tout ça n'a En même temps, servi t'as à rien. écouté le clap, hein. Mais ouais, mais eux, ils veulent tout le temps qu'on se tue là. Toujours violence directement là. Ça sert à rien, putain. Vous l'avez vu là. Ah mais il n'y en a plus parce que j'avais miné ici. Donc ça sert à rien. T'avais miné du quartz pour XP? Pour tester, ouais. Eh ben. Il y en a plein, mais vous voyez, c'est un peu loin et j'ai pas pris le bloc avec moi. Donc ça va pas le faire. Non, finalement, j'ai pas envie.
Bon, je suis que niveau 26. Voyons voir. 4 blocs de quartz. Ah ouais. Bah je suis 30. Bon bah. Pas comme quoi. Je crois qu'il n'y a pas de compétition là, hein, c'est fini. Bah putain. Si j'avais su. Franchement. Bon, bah, je suis que niveau 26 par contre. Bon bah. Mais Ouais. je vais mettre tout au four, toute la viande, et ça va me refaire XP par-dessus ça. Par-dessus le marché. Oh, encore du quartz? Ouais, t'es mort. T'es mort. J'en ai tellement là. Je suis déjà passé niveau 9. Je suis passé de 6 à 9. Ça va vite? C'est très impressionnant. C'est même pas considéré comme du shit, quoi. C'est tellement Tu legit. C'est dingue. quand même pas miner jusqu'à 30, mec, t'en as pour des plombes. Non. Ça dépend. Il faut juste trouver où creuser, c'est tout. Faut savoir où creuser. Là, tu vois, par exemple, il n'y en a pas. Ah! Donc je creuse pas. Non, mais c'est bon, la dernière fois, il y en avait plein, il n'y en a plus parce que j'ai tout miné, c'est tout. Oh là, j'ai un filon. Ah ouais, j'ai un filon. Oh, c'est un no match. Wouah, no match. Trop de filons. Que 26 Après, pour si tu trouves l'instant. pas de solution, tu fais quoi là? Voilà, j'attends que ma viande cuise pour voir si ça me donne un peu d'XP quand je la sors du four. Ouais, d'accord. Tu vas passer 27. Et là, je trace. J'ai doublé mon XP légalement dans le Nether. Genre, qu'est-ce que vous voulez de plus? Attends, je vais te Waouh. rejoindre dans le laser. Non, 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 non. On a dit une technique contre une autre. Alors ça, c'est vraiment dégueulasse. Non, mais parce que moi j'ai rien à faire là, j'attends que ça cuise. J'ai plus de technique. Parce que là j'ai tué tous les animaux et Non, non, ça, c'est illégal par contre. c'est légal. Il va venir pêcher dans mon filon là. Alors par contre, t'es parti à gauche ou à droite quand t'es sorti du portail? Je suis parti au sud-sud-ouest, voilà, laisse-moi tranquille. Quoi? Qu'est-ce qui bave? Qu'est-ce qu'il bave celui-là? Je te rattrape. Rattrapes qui? Clochard. Ouf. Les Ouf. mots sont durs, mais juste. Mais t'as tout miné, toi, t'as un clodo en fait. C'est quoi les pigments? Pourquoi vous parlez de pigments? Les pigments, c'est ce qui te donne la couleur de peau. Ouais, bof, de les quartz là. Quoi, tu bruit, t'es en train de trouver une botte? Putain, mais la merde! Non, 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 non! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de bloc, j'ai pas de bloc. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dû trouver un filon de quartz vu comment il réagit. Je suis vraiment le boss de ce jeu. Ouais, mais t'es quel niveau? 17. Hein? Même chose que toi avec 10 niveaux de plus. J'approche. Putain, la hitbox de ces putes. Impossible. Franchement, c'est de la saloperie, hein. Tu t'es fait attaquer? Bah, en fait, je me suis dit, bah, je vais optimiser en tuant les hommes cochons. Donc là, il y en a 15 qui sont arrivés tranquilles. Et là, il y a leurs gosses qui sont arrivés avec leur hitbox et.
inexistante. Genre, c'est de la triche, en fait. Alors, on mine du quartz. Non, je suis en train d'élever le bétail. On vole les techniques des autres. Putain, mais c'est. Ça se trouve, le temps que tu trouves une autre solution, que j'aurais gagné. Putain, ouf, j'ai plus de 10 niveaux que toi. Ah, bah là, c'est sûr que maintenant. Maintenant, je vais pas gagner, ça, c'est sûr. Non, mais j'étais 27 avant d'arriver dans le Nether. Oui, mais là, je vais passer 20 en fait. Alors, laisse-moi te dire que ça aurait pu marcher! Bon, allez, ça va. Ça va parce que j'adore la compète. Mais. Je suis pas énervé parce que j'adore la compète. Moi, c'est la compète, quoi. Moi, la compète, la compète, la compète. Non, mais tu vas peut-être réussir parce qu'au final, moi je vais arrêter parce que j'ai plus de pioche. Bah, j'ai dans le cul. Ma pioche s'est cassée, je suis dans le nether. Je suis content. Je te cache Et pas, je suis voilà. content. Est-ce que je peux casser le truc avec autre chose? Avec mon épée? Bah, non, j'ai dans le cul. Après, je vais être honnête avec toi, ça fait partie de la compète. Il va peut-être finir par être niveau 30 avant moi. Serait une histoire incroyable qu'on compterait partout. Cet homme, il a été Parti tué. de rien. Il a été tué par son meilleur ami et a perdu tous ses biens. Il a décidé d'aller dans les endroits les plus sombres du monde pour récupérer son dû. Aujourd'hui, alors peut-être que grâce à sa technique et sa Bon, toi, persévérance. t'écriras pas des articles sur BuzzFeed, toi, c'est trop long. Ta gueule, c'est pas pour BuzzFeed, c'est pour le Simoche. C'est pour le cinoche. Moi, je vis le 7e art, connard. Moi, je suis au-dessus de tout ça. C'est pas mon problème en fait. Moi, je te parle cinoche, là. Fait, c'est de l'art, c'est tout. Oh, mais tu m'as foutu des. Il y a des putains de machins, là. Le truc qui envoie des boules de feu, là. Oups. T'es niveau combien là, histoire que je vois si je regarde? 23. Oh là, ça fuse, ça fuse. En fait, le problème c'est pas ma pioche, c'est pas ma technique, c'est juste que j'ai la rage. C'est ça la vraie technique. Tu vois, des fois j'ai plus de quartz, mais bah, je sens qu'en moi ça monte et j'en retrouve. Car j'ai la rage. Car moi j'ai la rage. J'ai pas le temps. Ah putain, mais ouais, mais bon, là ça devient chiant. Non, mais tu vas finir par y arriver et ce sera un GG, hein. Je te cache pas que je pensais être plutôt chaud. Parce que je me suis dit, j'ai quand même l'avantage des niveaux, mais ta technique de quartz ça a été plus Ça. efficace. Oh! Ma technique du quartz, ça a failli. J'ai failli mourir. Parce que là, c'est pas avec mes côtelettes que je vais XP, quoi. Ah ouais, là là, c'est long, c'est long. Je vais jamais y arriver. Allez, une grande réussite demande des grands sacrifices. Je connais ça, c'est Spider-Man. Ah ouais, mais ça c'est. Ouais, bah ouais. Je connais ce film là. Bon bah moi je vais faire le tri du coffre en attendant parce que j'ai que ça à faire. En fait, tu t'en branles la compétition, tu veux juste que je te fasse un outil. Je suis comme un connard en train de miner depuis une heure. Toi c'est la compète, t'aimes pas ça en fait. Toi, c'est pas la compète, c'est juste t'es un opportuniste en fait. T'as pas à faire d'efforts et au final t'as ton outil. Non mais c'est parce que j'attends de pouvoir nourrir le bétail en me disant que ça se trouve je vais réussir à XP comme tout à l'heure mais Ouh! Il a pas faim le bétail. Bah ouais, là je les nourris mais ils veulent pas baiser. T'es quel niveau? Parce que. Laisse-moi te dire que ça. J'ai à peu Laisse-moi près. te Tu. En fait, pense à un chiffre dans ta tête et j'ai à peu près trois fois ça.
Forcément. Tu penses à combien? On dirait un mec qui développe, tu me trouves comment? Tu penses à... Tu me trouves comment? Pense-le, mais ne me le dis pas. Tu me trouves comment? Oh merde. Mais comment tu vas te retrouver en plus pour revenir dans le Nether? Ah ça je ne sais pas, j'ai pas prévu. C'est pas... Je n'ai pas réfléchi à tout, hein. Ça fait pas partie de la compète, ça. Mais c'est quoi ces blocs de merde là? On dirait des verrues là. Qu'est-ce que... Je m'en fous de ça. Oh non, ça se passait bien là. Oh, c'est injuste. Mais ça se trouve, t'es parti à des kilomètres et jamais tu pourras revenir. Peut-être, et alors? C'est quoi tes coordonnées? Moins 37, moins 89. Est-ce qu'il a menti? Peut-être. S'il me manipule, c'est la vérité? Tu ne sauras jamais. T'as dû faire un bout de chemin. Voilà. En fait, j'ai pas senti. J'ai pas vu le temps passer parce que. La rage, tu vois, la compète. Je sais même pas où je suis, mais je m'en fous. Je pourrais mourir ici, quoi. Ouais, si je gagne, je peux mourir après, tu vois. Par contre, est-ce que t'as vraiment inventé ces coordonnées? Ouais. Bah, j'ai pas... je t'ai répondu du tac au tac quand même. T'es un con. Tu vas pas venir me voler mon filon, hein. J'ai la rage. Ah, je commence à avoir la rage. Il avait raison. Vas-y, je tape dans des filons et comme ça, ce sera toujours un de plus que t'auras pas. Mais non. J'ai un problème. Ah ouais. J'ai été à tes coordonnées. Ouais. Pour te retrouver comme un ami. Ouais. Je suis perdu. Laisse-moi te dire que si jamais t'arrives devant moi, je te tue pour la compète. Parce que ça me ferait gagner. Donc ah, je putain, te conseille. Grâce au chemin de la coteau, c'est bon, je sais où c'est. Je te conseille de pas trop venir vers moi, tu vois. Parce que je te moi... conseille de bien réfléchir avant de venir. Moi, quand je fais une compète, on me reconnaît plus, tu vois. Je suis vraiment dingue. T'as vu Link la dernière fois, il est devenu complètement fou. Bah, c'est tout ça pour une première place, hein. Des fois on se demande. Il a quand même miné 1500 blocs de quartz. Ça. Bizarre. Hein. Il a pas toute sa tête le gamin. Putain, mais je voudrais juste te prendre tes filons, mais je crois que t'es tellement loin que ton pseudo n'apparaît même pas. Et tu sais qu'on peut combattre un boss, si tu vois des squelettes. Tu vois les squelettes qui sont noirs là. 30, lâchez les claviers. Oh putain mec, bien joué. Là Mais tu t'en branles. T'as même pas... T'as même pas joué. À quoi bon vaincre si, quand mec, on n'a pas d'adversaire. J'étais sur le point d'y arriver mec. C'est vrai. Encore deux niveaux et c'était bon. Ah oh là là. Le travail paye. Ok. Bon, bon bah y'a plus 40 même. C'était bien. GG Terra, bah niquez-vous en fait. Alors... Non là il a mérité le GG parce qu'il s'est donné à fond, il a réussi à avoir les 30 niveaux avant moi alors que j'étais bien parti pour les avoir pourtant. Moi j'adore les bobsleigh. Et la compète. Mais surtout la compète quoi. Ça c'est le mieux. Ah, ce serait marrant que je meure en, en revenant. Surtout que t'es très loin, je pense. Oui. Ah, j'ai pris des chemins pas très safe. Hein. Mais j'espère que t'as noté les coordonnées du portail. Bon. Mais si, bien sûr, parce que... Tu te souviens de la dernière fois? Moi, oui. Après ça...
Enfin, la première fois qu'on allait dans le Nether. Après cette Oui, quand expérience, on était dans la mer, c'est vrai, j'avais j'ai oublié. complètement noté ces coordonnées au-dessus de mon lit, dans ma salle de bain, dans ma cuisine. Parce que j'en pouvais plus. Ah, c'est pas tout simple de revenir vers. Fait chier. On va tenter un truc comme ça. Oh, du quartz. Oh, allez, ça mange pas de pain. Ouais, c'est toujours ça de prix, hein. Allez, je prends. C'est quoi? Ça fait plaisir. Fait combien de temps que t'es dans le Nether? Sais pas. Une heure, un jour. En plus, c'est comme le casino. Il n'y a pas la lumière du soleil. Ça fait peut-être des jours que t'es renfermé là-dedans. Je ne le sais pas. Moins 184. Moins 116. Bah, je suis censé être. Je suis censé être pas loin. T'es peut-être pas à la bonne Il y avait hauteur. un tunnel! J'ai pas vu, je regarde mes coordonnées et mon téléphone. Aïe 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 aïe, je crame parce que je me suis fait tirer dessus par un. Ah! Faut que j'arrive à la voir. Ah, bah attends, regarde, tu peux m'aider à le tuer s'il te plaît? Ça nous fait un Il bâtonnet est où? là, lui là-bas. Attention, il y en a un derrière. Oh putain! Ah ouais, celui qui est derrière aussi, faut le niquer. Là, au bout du couloir. T'en prends dans la tronche. T'as pas un arc? Plus pratique. J'ai trois flèches. C'est pas mal, mais c'est pas assez. Franchement, je crois que si. Ah, Voilà. la troisième a touché. Bon, bah on peut repartir. T'avais pas d'épée? Attends mec, regarde. Y a quoi là-dedans? Bah tu vas pas voir ce que c'est. Ça fait 20 minutes que je l'ai, l'appel. Je passais niveau 30 depuis tout à l'heure. Mais je voulais que tu sois un peu heureux de te dire que t'avais réussi de passer 30 avant moi. Il y a des moments dans la vie où on teste ses amis et où on sait si c'est des vrais amis. Aujourd'hui était un de ces moments. Un de ces moments Et qu'on après oublie. 15 ans, j'ai ma réponse. Un moment qu'on n'oublie pas. N'y a pas de retour en arrière. Après, non mais écoute, ça veut te rassurer, c'est un truc que je t'ai pas dit depuis tout à l'heure. C'est que là, t'es niveau 30. Mais qui te dit que tu vas avoir touché de soi? M'en fous. Bah parce que là, regarde. Là, tu. C'est pas la peine de me claquer la porte à la gueule. En Ce que plus, je veux c'est dire, une c'est que. pelle! C'est nul! On Ah. avait dit une pioche, t'as perdu. Non, c'est pas vrai. T'as C'était une pioche qu'il perdu. fallait. Bah, je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être une pioche en fait. Parce que moi, les seuls trucs touchés de soi que j'avais déjà vu, c'était. Fallait une pioche. Ah bah, tu vois, t'as gagné au final. Ta gueule. Pioche en fer. Vas-y, je vais refaire. Allez, je me donne 3 diamants et une chance de. Allez. Pioche, ça marche. Pelle, ça marche. Allez, ma belle. Ah, Montre-le, désolé. montre-lui à ce tricheur. Ah, Mais j'ai une technique si tu c'est veux. pareil. Ah, c'est pareil en fait. Ah non. Regarde. Tu prends des bouquins. Prends des livres. M'en fous.
Non mais écoute-moi, abruti. Tu prends des livres, tu prends du lapis-lazuli. Ouais. Tu mets le livre à gauche, le lapis-lazuli à droite. Et si jamais t'as pas le sort que tu veux, tu prends celui qui est tout en haut, qui est niveau 1. Il va te coûter que dalle. Et une fois que tu reposes un livre, t'attends d'avoir le bon sort en fait. Tu comprends ou pas? Alors attends. Là, j'ai vu la piste. Mais c'est des Tu mets ton livre à conneries! gauche. Tu mets ton livre à gauche, ton lapis-lazuli à droite. Si jamais tu trouves pas le sort que tu veux, tu prends le niveau qui coûte pas cher, le 1. Tu le Ah, valides, un tu mets ton livre livre de vierge. côté et hop, tu recommences. Tu parles d'un livre vierge. Oui, un livre vierge. Oh. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tu trouves ton sort. Le problème de ce truc-là, c'est que si t'es niveau 30 et qu'il faut être niveau 30 pour faire toucher de soi, bah, c'est niqué. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est les mêmes? Il a pas compris. Je sais pas, j'ai pas écouté vraiment beaucoup. Tu fais quoi, vas-y, Je dis ce mets que un tu livre fais. et je mets un livre, après je change de livre. Non, il faut que tu Ah, valides le niveau 1. sort. Ok. Faut que tu valides le sort niveau 1. Ok, et après je m'en branle. Ok. Oui. Ah oui, mais du coup ça m'enlève des niveaux et ainsi de Bah oui, c'est suite. pour ça, mais c'est la seule technique que tu peux avoir. C'est de la chiasse. C'est de la chiasse. Est pas content. C'est de la chiasse. J'aime pas ta technique. J'ai l'impression de perdre toute ma vie. Bah, mec, c'est rare d'avoir retouché de soi, c'est pour ça que j'ai eu de la chance avec l'appel. J'ai mal. Mais quel con! Quoi? On peut. Ah non, on peut désenchanter une arme grâce à. Quoi? Remets la pioche. On cherche pas un livre? Non, à chaque fois t'alternes. Une fois que t'as fait ton livre, tu remets la pioche. Si t'as pas ton sort, tu prends un livre. Si t'as fait un livre, tu recommences. Oh, ça m'emmerde. M'emmerde. M'en fous. Oui, bon, m'en fous. M'en fous. Et comment on désenchante? M'emmerde. Comment on désenchante une arme? Dans le réparer et désenchanter? M'en fous. M'en fous. On a pas mal de quartz en tout cas. Il faut un bloc de forgeron. Mais non, mais j'ai le. Enfin, j'ai la meule là qui a marqué réparer et désenchanter. Ou alors j'ai le bloc de forgeron aussi, je peux le mettre. Où est-ce qu'on fout nos blocs de quartz? Attends. Mais t'abandonnes? Oui, j'abandonne. Mais on pourra jamais faire le bobsleigh? Mais si, t'as une pelle là, ça marche. Bah je sais pas, ils m'ont tous dit que ça marchait pas. Bah, tout à l'heure, Ils m'ont t'as tous dit qu'il y avait dit. un mec qui avait dit Bah y a un que. mec dans le chat qui a dit que ça marchait. Après, Bah, ça va être mais bon. si avec une pelle, Ça va être bon. Ah, ça ça marche. marche. Bah attends, mais ça veut dire que je me suis fait insulter depuis tout à l'heure. Encore une fois, gratuit, Bah, alors c'est que ça comme moi, marche. alors il m'insulte alors que je fais très bien mes enchantements. Depuis tout à l'heure, mes Alors enchantements étaient parfaits et tout le monde a pété un là. plomb, mais en fait, je faisais une technique qui est plus optimisée que la vôtre, c'est tout. Animaux. Et les bouquins qui servent à rien là, c'est directement dans la lave. Protection 1, perforation 1, tous ces trucs-là niveau 1, ça dégage. Pas sympa. Pas ouf, hein. Ouais, il faudra que je désenchante ma pelle de merde, moi, par contre. Et bah putain, c'est pas le poulet rôti qui m'aurait fait XP, hein. Du coup, est-ce que quand t'as quand même XP jusqu'à 30 avec le quartz? Ouais, il me restait un niveau et demi à passer avec le quartz. Et j'ai terminé avec. J'ai nourri les. Même N'empêche pas, j'ai nourri les animaux. que le quartz c'était plutôt une bonne technique, pourvu qu'il n'y en ait pas loin du spawn. Parce que je suis allé de 6 à 30 en pas si longtemps.
D'accord, mais mec, vraiment, quand ta ferme elle est pleine, tu les tues tous. Non, tu les nourris tous. Ça te fait full XP. Tu les tues tous, full XP. Et pour terminer, tu fais cuire. Et tant que ça cuise, tu vas les renourrir. En vrai, moi je passe des niveaux vite en faisant ça. Hein. Après, c'est un type de joueur Minecraft, tu vois, de toi à moi. Hein. Y a pas de. Ouais, bah c'est sympa, mec, de me donner tes conseils. Ça me plaît. Tu me plais. Tu me plais. Voilà, tout ça c'est hop, Zou, belle. zou, zou. Bah du coup, faut que j'aille retirer de la neige, c'est ça? Faut que je joue avec cette pelle. Sont où les étiquettes là? Hop là, une étiquette. On a pas mal d'étiquettes parce que j'en ai récupéré beaucoup dans une mine. Elle doit être quelque part dans ce cas. Elles sont là dans le loot des Merde. ennemis. Ah, je sais pas si t'as vu aussi, j'avais fait ça. Derrière. C'est des tonneaux. Et à l'intérieur des tonneaux, il y a du charbon. Oh, ils font un bruit satisfaisant. Je me suis mis en full quête de charbon. Ça m'a fait bien chier. Peux arrêter. Encore un coup. Encore une rangée complète. Aller-retour. Et après j'arrête. Putain, ça fait du bien. Donc là, qu'est-ce qu'on doit aller récupérer avec la pelle en diamant couchée de soi là? Alors, de la glace. Et où est-ce qu'on trouve de la glace, Damien? Mais attends, mais de la glace, on en a? Pas sérieux. Bah, si, là on a des boules de neige, avec les boules de neige, on peut faire de la glace, regarde, c'est 8 blocs de neige. Hop, tac tac tac. Ça me fait un bloc de. Ça me fait de la. Ah non, ça me fait de la neige. Ça me fait pas de la glace. Bah ouais, hein, Damien, parce que tu peux pas faire de la glace avec une. Bah, si. Techniquement, si. Je la fais fondre et après je la mets. Techniquement, je suppose qu'il a raison. Ça reste à vérifier. Alors, par contre, où est-ce qu'on va pour avoir de la glace? Vers le biome de neige le plus proche, Damien. Et il est. Au nord. Ou peut-être pas. En tout Bah, je cas, te suis, j'ai un bateau. non mais je sais pas où c'est moi. C'est vrai que le village était dans la neige, le deuxième village. Oui, mais c'était très loin. Certes. Mais Y a quelque chose après le certes. Non, et on pourrait aller moins loin, mec, si on va là où il y avait l'igloo, en bateau. Et je pense que c'était par là-bas, je crois. J'en serais pas si sûr à ta place. Il a vu trop de films, il croit vraiment que c'est un méchant dans ce film. Ouais. Non mais. Fais Ouais, gaffe à. Ouais, peut-être. là. Parce que si tu les tues, on Peut-être. est dans la merde. Mais ça, il a failli pas On m'attendre, n'est plus amis, en fait. hein. Pour remonter. Ah, pardon. Évidemment, ça, c'était pas voulu. Ah, je pense que c'est là-bas. Et un Alors. peu sur la gauche. Ok. C'est vrai qu'il est pas loin, l'igloo, mais on le voit pas tout de suite. Oh, les connards de. Attention, il est nerbalète, il est méchant. Ouais. C'est ceux avec la bannière qu'on doit pas tuer, je crois. Mais dans le doute, ne les provoquons pas. Ah, oh, j'y touche plus. J'aimerais bien qu'il y ait de l'eau là-bas.
On était passé à travers une montagne, je crois. J'ai des souvenirs d'odeur de pain. Une forêt de pain là, c'est pas mal, hein. J'aime bien Bah, ça. qui a fait cette merde là? C'est quoi ça? Ça me dit quelque chose. Ah, c'est à nous cette merde! Ça me dit quelque chose, mais ça n'a aucun intérêt. Ah, attends, c'était pas pour voir en hauteur où on s'est aviré quand on est venu sur cette île de base? Peut-être. Ah non, En tout cas. Aether qui dit c'est à moi. Mais tu casses quand c'est. Mais tes merdes là, Aether, tu les casses quand tu. Putain! En tout cas. C'est un risque à prendre. Qu'est-ce que tu fais quoi là? Je voulais te pousser, t'avançais pas. Non mais je sais, mais j'ai un doute là, j'ai un méchant doute. Mais non, c'est là-bas, je te le dis. Tu ne monteras pas sans J'ai un méchant moi. doute. Voilà, et c'est un, voilà. Tu continues la diagonale vers la gauche et on arrive au biome neige. Qui pense qu'il a raison? Pas moi. J'ai un excellent sens de l'orientation. Ça, c'est prévu? Bah forcément, on n'est pas sorti de notre biome. Ok. Ok, on continue. Tac. Cette fameuse forêt de pins dont je te parlais juste avant là. Non, tant qu'il y a des pins, je suis confiant. Mais il est où? Je vais tout droit. Attends, heureusement qu'avec ton petite armure là, bleu cyan, je te vois. Je scintille de mille feux. Putain, mais... C'est une grande forêt de pins. Il y a de la belle lave qui sort de la montagne à droite. Je vais taper un locate, ça va partir en couille. Ça va vraiment À partir en gauche. couille cette histoire. En plus, À je sens que gauche, ça va regarde. être aussi décevant que le manoir. Voire plus. Ah, je crois que ça, c'est un cul-de-sac l'eau là. Non, peut-être pas. Ça vaut le coup de remonter là. Cent soixante-cinq moins 2190. Vous trichez. Pourquoi tu regardes les infos? Je suis obligé de lire mon chat, je suis un streamer. T'es pas obligé de lire la tricherie, je t'ai dit que c'était en diagonale, là, voilà. Continue comme ça. Ouais, je vais pas vers les coordonnées qu'on m'a dit là. Au contraire. Je t'avoue, je voyais ça moins loin. Bon, on passe là. Ça passe large, Bon, ça passe là. Attends, putain! attends. Ah non, mais t'aurais dû rester. Vas-y. Oh non, tu conduis. Attends. Ça va? Ça passe. Presque. Vas-y, jusque-là, c'est bon. Après, c'est par là. Ça se fait qu'il va à la vitesse, puis casse-toi. Un village. Oh! Attends, non, mais c'est quand même pas le village des. Oh non, il y a des chats et tout. Oh, c'est un nouveau village! C'est un nouveau. Note les coordonnées! Un nouveau village. Et même qu'il n'est pas De l'or! si loin que ça. N'oublie pas de casser les blocs. Enfin, les coffres, je veux dire, quand ils sont vides, et de mettre une torche sur les maisons visitées. Rap. Ça, c'est incroyable. Oh, ils ont des bébés! Oh les Ils ont plein, connards, ils sont plein! tu l'es! Bah non! Pourquoi? On va en avoir besoin! Oh bah... Oh ouais, si on peut plus tuer. On a qu'à en tuer un seul.
Ça va. C'est rien, ils vont même pas le remarquer, ils sont tellement nombreux. Sérieux? Oh! Mon instinct était bon. C'est pas celle-là. C'est pas elle. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Quoi? Qu'est-ce que vous racontez là? Vous êtes des. C'est de la Vous êtes glace des là, c'est de la putains de glace. menteurs, moi j'ai envie de déco là, vous m'avez saoulé. La glace, Eh. tu l'avais dans le cul quoi. Ouais, biome neige. Et là c'est quoi? C'est quoi le biome? Snowy tundra. Bon. Ça veut dire neige en espagnol. Commencez à m'emmerder là. Si. Quoi? Quoi si? Quoi, si, Qu'est-ce que si, vous oui, racontez quoi. maintenant? Hein? Vous savez même pas parler, je vais. Si je vous attrape. Allez. Vous avez de la chance qu'il y ait eu ce bol Choper lit. par le callback, moi, tu vas Ils voir. peuvent faire la glace qu'ils font pas avec 9 glaces comme ça. Voilà, restez tranquille. De toute façon, je vais juste poser mon Putain. bateau dessus et je vais voir si ça vaut le coup. J'ai une belle Les clés piste. barres, quoi. J'ai une piste là. Oh sa mère! Ça vaut grave le coup! Oh, comment t'as fait? Ça vaut le coup! Montre avec moi! Attends, faut juste aller sur le bateau et. Wow! Eh, viens, le premier qui arrive à taper ce drift en full speed! Ah, c'est insane! Ouf, ouf. Ouf! Merde dans l'eau! Oh, il nous faut une piste. Il faut qu'on fasse une piste. Avec Mais des attends, mais. tremplins. Alors, ça veut dire que là, ça veut dire que si on met de la neige sous notre truc, on peut faire ça partout? De la glace, ouais. On peut faire ça Bah. partout. Ça fait Bah, on envie, se hein. l'a fait! Ça fait envie, hein. Bah, vas-y, Toucher de soi, là. On dirait un pseudo, un surnom de princesse. Donc là, je dois juste prendre la glace qui est là. Le problème, c'est qu'il en faut 9 comme ça pour faire un bloc de glace, apparemment. Et c'est quoi le problème? Bah, ça fait pas mal quand même. Là, tu récupères quoi du coup? Bah, je casse ça et je Ça te récupère des donne. blocs de glace apparemment là. Bah, c'est bon alors. Pourquoi tout le Bah monde là dit que c'est pas ça? j'ai de la glace là en tout cas. Et si tu le poses, ça fait bien un bloc de glace. Donc, c'est Bah, bon. je suppose que oui, vu que c'est de la glace. Regarde. Hop, Bah, voilà. c'est parfait ça. Ça glisse. Pourquoi ça fond? Faut de la glace compacte. On dirait qu'il J'avance. mente. Et en même temps, ils le disent tous. Il va fondre. Mais ils sont. Attends, ils sont pas sérieux quand même. Non, c'est vrai. Pff, tous les jours, une raison de désinstaller le jeu. Hein. Bah attends, c'est des conneries, mec. Faut de la packed ice, de la compact ice. Et comment on se la fait la compact ice alors? 9 ensemble. 9. Et ben fais-moi un établi là. Si je veux, je te le fais là. Ok, j'ai de la glace compactée là. Bah top. Bah, te voilà un bloc de glace compacté. Et là, Et si qu'est-ce je le. qu'on en fout après? Et là, tu vois, je le mets là. Bah, il est compacté en fait. Et je peux le récupérer sans la toucher de soi ou. Oh, là, je pense pas là. Donc, je vais te la redonner. Merci bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour se la mettre sous le bateau? Ah bah, on fait une piste. Attends. Ouais, oui, tu viens de comprendre le. Oh non, mais j'avais pas compris ça moi. Je croyais qu'en fait on allait coller la glace sous le bateau et que ça crée un genre de bug qui fait que bah tu pouvais te déplacer avec la glace sous le bateau constamment. Ah non, 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 c'est une piste. Mais c'est pour ça quand tu me disais il en faut 9, je te disais mais je m'en fous. Je Ah, vais en m'en prendre fous, 8, on en aura m'en chacun. fous, mais m'en fous pas en M'en fous. fait. Alors, Mais mec, mais c'est de la merde. si on imagine une piste qui ferait, alors, 3 blocs, non, allez, 5 blocs de large, fois 100 blocs Bah c'est petit sang, de longueur pour taper une petite pointe, on est donc à 500 blocs. Fois 9, 4500 blocs de glace normale. Alors, moi je vais déco, et puis toi, Terra, puisque tu adores Minecraft, je te propose de. 4 000! Mais attends, mais putain, mais on m'a brisé mes rêves! Je pensais vraiment que c'était pas ça! Je pensais vraiment qu'on allait coller de la glace sous le bateau! Mais pourquoi du coup on nous a dit
Il y a quelqu'un qui nous avait dit quand on devait rentrer du manoir, non mais mettez de la glace sous votre bateau, vous arrivez beaucoup plus vite qu'avec des rails. Parce que ça, je m'étouffe tellement c'est un connard. Parce que ça c'est quelqu'un, tu vois, c'est une sale race qui joue en En créative créative. et qui croit que dans la vie, tout est créatif. Alors que parfois, c'est une question de survie. Donc cette personne, Cette sale race. elle a pas d'âme. Voilà. Mais c'est un truc de ouf. Mais on vit où là? Il y a un bio, mec, de la compacte direct. M'en fous. Ça fait quand Mais même m'en fous, mec, 500. c'est beaucoup trop de plates de Ça glace fait quoi. 500. Je m'en fous de vos M'en fous histoires de biome et de bobsleigh. J'annule tout. C'est une strate C'est de des tarés, créative. hein. C'est une strate de Ils sont créative. complètement tarés. Ils ont sniffé de la neige, hein. C'est pas possible autrement, mais ça ne sert à rien. Ou Le alors, mec. faire la piste dans un biome de... Mais non! Non, non et non! Non, vous êtes allé trop loin cette fois-ci. Non, moi je n'accepterai ça que si il y aura un parcours de glace dans le parc avec des obstacles et des décorations réalisées en mode survie par plusieurs personnes. Et que en mode survie, attention, on allait là aux consoles. Et ce serait. Après, ce serait chouette. Oh bah moi je me vois bien faire la course avec Terracid dans des bateaux Parce que avec des il y gros aurait du drifts, drift, Link. des gros drifts et des loopings et des tremplins. Mais pour ça, voilà, il faudrait que ce soit chouette. En tout cas, actuellement, vu la demande en bloc de glace, m'en fous. Vous pouvez vous la foutre au cul, votre piste de Voilà. bobsleigh. C'est pas une raison. Bon, bah, on peut rentrer. Mais quel échec! Quel échec de merde! Oui, mais on a trouvé un village. Mais parce que toi, tu savais depuis le début que c'était ça? Ouais, je voulais juste tester. Mais donc, je suis le seul qui est déçu! Oui. Hein? Putain! Trop bien, ça. Ouais, vas-y, garde-le! J'en veux un. On vole! Ouais, attends, on va pas repartir les mains vides! Pille-moi ces connards là! Ah non, s'ils ont pas de lit, ils vont mourir, non? Non, le lit, ça définit chez eux. Je sais Si on veut se faire pas. reproduire des villageois. Par contre, note bien les coordonnées d'ici, hein. Ouais, c'est noté. C'est 500 moins 1500, ça, c'est facile de se souvenir. Alors, la maison. Les enfants, sachez qu'en tout cas, l'aventure Minecraft prend presque fin, du moins en mode survie, à moins qu'il y ait des trucs à faire, parce que il nous reste à faire techniquement l'Atlantide. Ça va être marrant quand même, je pense que s'il faut arriver à les sauver. Mais bon, ça va être Ouais, ça vaut le coup. l'Atlantide. Il faut qu'on trouve le bateau volant pour avoir la wingsuit. Ça, d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on le fasse avant l'Atlantide, parce que ça va nous aider de ouf. Ouais. Et des trucs vraiment mineurs comme trouver un perroquet, un panda, battre le monstre qu'on peut crafter avec les crânes qu'on devra looter dans le Nether. Mais Un joli petit programme quand même. ouais, mais je veux dire, non, c'est vrai. Ça fait 4-5 lives. Mais On va prendre un bateau ici. après, on vous encourage à faire comme ce qu'avaient fait ces merveilleux abonnés. Vous avez fait des documents sur un GDoc ou sur des screenshots, je crois, avec expliquer tous les trucs et astuces de Minecraft et des trucs à faire, ce qui nous a beaucoup aidé. On a fait plein de trucs grâce à ça. Et si vous avez des idées de trucs à faire qu'on ne connaît pas, des trucs secrets. Genre un biome ultra rare, etc. Toutes les conneries, vu qu'on connaît pas tout ce qui a été fait sur Minecraft, ben, balancez. Faire les assauts. Le Wither. Parle peut-être de quand Parler de quoi avec le Wither? on se fait raid, non? Mais le Wither, c'est pas justement ça, c'est le monstre, je crois que tu craftes avec des blocs du Nether, plus trois crânes de squelettes que je t'ai dit de taper tout à l'heure, qui ont des chances de loot. Eh ben, c'est ce que t'avais dit. Donc, vous êtes des crétins. Ah, ça fait du bien Le ça. pays mushroom. Eh mais attends, c'est une blague, mais on l'avait trouvé ça. Si Oui. c'est un biome ultra rare, on l'avait vu de loin. On l'avait trouvé, oui. On s'y est pas arrêté parce qu'on était en quête du manoir, mais on est passé devant. Oui. Des statues de Link et Terracid. J'avoue mec, chacun fait sa statue en grand. Ça peut être marrant.
Ah ouais. Par contre, faut prendre un patron comme modèle. Ouais, faut y aller quoi. Faut un peu de laine. Ouais, faut y aller quoi. Ah, faut y aller quoi. Ah, avec mon sens artistique, je sens que ça va être un monstre difforme. Après, on n'aura pas de mind clash à faire avec les youtubeurs qui veulent se faire du mind clash là. Ouais, tous ces Il y a nullos qu'on va battre. Mastu Joyka, etc. qui vont se ramener pour faire un mind clash. Les raids. Mais les raids, c'est simple. Les raids, on a juste à. On tape les bonhommes là qui sont devant chez nous et c'est bon, on a un raid. Oui, ça c'est facile, ils viennent à nous, c'est livré. C'est le chronopost de la méchanceté. Je veux qu'on organise nous-mêmes un Fallen Kingdom. Une aventure suivie, s'il te plaît. Mais d'abord, j'aimerais comprendre le principe entier des Fallen Kingdom et ensuite je voudrais l'organiser. En vrai, c'est quoi? Vous pouvez nous expliquer en deux mots? On m'avait expliqué vite fait, alors dites-moi si j'ai compris ou si j'ai pas compris. C'est deux équipes ou plus qui s'affrontent. Chacune des équipes doit faire une salle avec des coffres. Et le Ouais. but de l'autre équipe, c'est de trouver la salle des coffres de l'autre équipe. Et il y a des règles du style pas le droit de casser un seul bloc dans toute la map, sauf dans sa base, je Ok. crois. Je crois que c'est ça. Et du coup, En quand... fait, il faudrait que quelqu'un me l'explique. Donc du coup, faut la cacher, mais en mode... Bah, je sais pas, parce Donc que je me sans la dis que c'est trop. recouvrir, quoi. Tu peux trop cheater, parce que oui, voilà, Bah ouais. genre, tu prends n'importe quelle zone, mais bah, donc, il doit y avoir des règles, je sais pas. En fait, tu vois, ça se trouve, moi je me suis toujours dit avec les concepts Minecraft des youtubeurs Minecraft, ça se trouve les concepts sont cool, mais les titres c'est pas ça je trouve. Enfin genre ça fait trop, c'est Bah, bizarre comme titre, Fallen alors je suis Kingdom, désolé, mais c'est pas fun Fallen tu vois. Kingdom, et quand je vois marqué Top Gun, je suis en mode. Tu vois, je pense c'est dommage d'avoir donné ce nom-là parce que je suis sûr que ce principe-là, quand tu me le racontes là, bon je vois pas tous les tenants et tout, mais ça peut être sympa. Mais pourquoi ce nom? Ça fait un peu Je ne sais plus. aventure mystique d'aventure suivie de dessin animé de je sais quoi. Et genre du coup je me demande. Mais en vrai ça a l'air bien. Ça, bah, le principe, ah oh, bah vous voulez qu'on se fasse agresser au village? Tenez, il y a juste à les taper ceux-là. Un petit coup. Oui. C'est beau. Sauf quand ça charge Magnifique. pas loin devant. Oui, mais c'est ça ou tant pis de PC? Oh, c'est Bambou qui signale la présence de notre domicile. Loué soit le bambou. Ça pousse haut cette merde, putain. Qui a fait cette immonde bâtisse? Je déconne, je lui ai donné 7. Je déconne grave. Est belle. Fait, elle est belle. Tout ça pour de la neige de merde. Ah oui, mais on est revenu moins con. Bah moi, je suis quand même parti très con, hein. Oui, j'ai collé de la neige sous mon bateau et je suis partout. Bah, tu sais, voilà, hein, c'est... On en apprend tous les jours. Hein. Parfois, on n'est pas ravis. Avec typo, truc. Kill the patoche, là c'est pas mal aussi. Eh ben, Vlatipak nous revoilà chez nous. Et puis, puis que je vais manger ma côtelette de porc et puis voilà. Attends, et tes bateaux là, tu les ranges pas? Putain. J'ai plus de bateau. Tu sais Pourquoi pourquoi? j'avais deux bateaux? Voilà pourquoi. C'est tout. Ouais, on va peut-être trouver un endroit dans cette maison pour mettre des porte-armures. Hein. Mais regarde, quand tu reviendras ici, là, on pourra tourner à droite. Il y aura une salle comme ça, mais en beaucoup plus grande.
Mec, d'un coup là, tu dis ça, j'ai plus envie de partir en vacances, tu vois. La simple idée qu'on puisse tourner à droite ici, c'est bien plus important que tout ça, j'ai envie de rester. C'est fou. C'est fou. Mettez un pouce bleu si vous voulez qu'il reste pour construire des trucs. Franchement là, on en vient à hésiter. N'hésite plus. Le monde a envie que tu restes pour construire cette zone. Je suis sûr qu'au Canada, je vais me foutre dans des chiottes pour jouer à Minecraft. Des chiottes publiques. Un peu de Non, mais je suis wifi. malade, rentrez pas. Oh non, oh là là, oh ça pue, elle est en train de crafter de la... sa Ça pue. cobble. Ouh là là, non. Mais Thomas, ça fait 2 heures que tu refermes la dent. Oui, j'ai dû manger quelque chose de pas frais. Oh là là, cette poutine, oh non. Oh non, là c'est vraiment. Ça va me prendre l'après-midi. Ah, tu sais ce qui me déçoit, c'est que j'ai fait exprès de taper le porte-étendard pour te faire chier à avoir une invasion, mais j'ai le logo qui me dit bah danger, mais il se passe rien. Ah non mais ça va arriver alors. Oh! Mais non mais tu fais chier, non mais je dois vraiment allez, je dois vraiment partir en 5 minutes. Mais il fait chier. Ah la pute. Et c'est Les tellement gens, long. mais non, c'est pas long. Bah la dernière fois ça a pris 15 ans. Alors le problème, c'est que ça peut être long, Mais quoi? mais il faudrait un arc pour que ça aille vite. Et j'ai pas de flèche. T'as des Moi non flèches? plus, j'ai pas de flèche. Oh. Oh. Putain. Oh. En fait, à la base, quand je l'ai tapé, il était moins tard. Ça s'est déclenché que maintenant. Putain. Y a pas les si... Rect. Ah, j'ai 2 silex, je vais peut-être pouvoir nous crafter des Quand flèches. est-ce qu'ils arrivent, ces cons-là? Ils sont où? Ils sont au bord. Normalement, ils Je sont les déjà arrivés. cherche. Quel côté? Vous êtes où? Vous êtes pas là? Bon, bah j'ai 8 flèches. Au top, moi j'en ai zéro. T'as une armure en diamant? Ah, ils sont là. Non, si. Pardon. Ils sont où quand tu dis là? Ils sont au mur, disons ouest. Attends, par rapport au mur des rails pour aller au parc. Ouest. Faut considérer que le nord c'est le mur des rails. Ouais. Bah, je devrais te voir normalement. Je devrais être là. Je saute sur la muraille et je mets des coups d'épée. Ah, je vois que ça baisse l'invasion. Ah, c'est bon, je vois un truc avec plein de bulles. Mais il y a quelqu'un qui est invisible là. Non, c'est une Oh, flèche vous enchantée, on tous les dirait. enculés! Ouais, je leur ai mis des coups là, ils sont quasi morts ces chiens là. Ah, ouais. Et puis en diamant tranchant 3, Ouh. efficacité Calgon. Nice. On peut lancer des flèches empoisonnées, parce que je sais pas si il y a une flèche plantée dans un bambou qui fait des bulles. Wow. T'entends? Wow, T'avais jamais entendu ça? il a sonné son corps, le bâtard. On Ah, va je croyais prendre que c'était cher. une corne. Le Parce que oui, corps c'est un de... corps de chasse, mais je croyais que c'était une corne de brume. Ah, je sais pas. Dans ce cas-là. Grâce à cette superbe muraille, ils ne peuvent pas rentrer. Allez, viens là, schlagos, là. De merde. Donne-moi tes émeraudes, chien. Par contre, quand on aura la grosse bête, mec, ça va être Ah, ça va être une autre histoire. pas la même paire de couilles. Il va rester plus qu'un mec là. Oh là, deuxième vague. Alors la deuxième vague, je crois qu'on va commencer à avoir des sorciers. Bah troisième même, on avait fini la barre. Troisième, ouais. Ouais, il y a les sorciers et tout avec les anges et là ça commence à être un peu le moment où on meurt en fait. Bah avec un arc en vrai, derrière les remparts, c'est vraiment parfait. Mais on a vraiment Ouais, pas de mais flèches. là ça va être la mêlée générale quoi. On va J'aimerais bien l'avoir. trouver une technique pour farmer facilement du silex. Parce que c'est le seul truc qui manque. Mais ouais, mais enfin c'est tout le temps ça. Hein. Ouais, c'est ce qui manque à chaque fois. Ça On fait a full chier. plus, full bois, mais silex. C'est juste gravier quoi. C'est chiant. Attends, je vais rentrer parce que ça se trouve, ils sont pas du bon côté. Ouais, on dirait qu'ils sont ailleurs.
Et comment ils sont rentrés du coup l'autre fois? Je sais pas, j'ai Côté l'impression nord, ils que rentrent. bug, peut-être, genre ils spawnent à l'intérieur, j'en sais rien. Je trouve ça bizarre que ils ont pas pu rentrer de toute façon. Les murs sont insautables. Ah oh non, c'est. Ah oui, regarde, attends, j'ai fait un trou dans ce bloc-là parce que c'est marrant quand tu te mets ici. C'est un arbre. Y a juste sa tête qui sort. Ils sont où ces cons-là, putain? Mur de droite, je pense. Ouais, par là. Ouais, Affronte peut-être à les l'intérieur du arbres. village, mec. Affronte les arbres. Hein. C'est drôle. Vous avez été drôle. GG. Ok, ils sont pas là. Là. Côté est. Dans la maison, dans la maison avec la grosse bête, la grosse bête. Dans la maison. Attends, parce que je suis à l'extérieur, j'arrive. Dans la maison, ils écrasent mon champ, les fils de pute, ils vont tuer un golem. J'arrive. Ah oui, il y a la grosse bête. Je l'ai tué. Allez, le golem qui fout des patates là. Ça décolle. Il en reste qu'un? Bah, du coup, dehors, t'es peut-être là où t'étais. Oh, je vais devoir replanter mon champ. Enchantement infini sur un arc. Ouais, je sais bien. Mais ouais, faut le trouver quoi. Mais ouais. En vrai, mon enchantement arc puissance 5 que je répare, pas mal, hein. Bah merde. Non, non, il est pas là. Le con, putain, Il est où le enfant. dernier? C'est le plus long, hein, c'est de les trouver ces cons là. Il doit être en dehors des remparts là où t'étais, c'est pas possible. Il serait dans le village, les golems l'attaqueraient. Bah ouais, mais je sais pas. Ils font du bruit pourtant. Non. Bah, je vais faire le tour, écoute. Fais le tour des remparts. Ouais, moi aussi, par l'autre côté. Personne. Personne pour Sonne l'instant. la cloche pour le voir. Alors, si tu veux, si c'est un vrai truc, j'ai une cloche au-dessus de la poubelle. Bah dans ce cas, peut-être. Là, je fais tout le tour des remparts et je le vois pas. Moi non plus. Il m'énerve. Là, il me saoule. Y est, je suis gavé. Non, mais j'ai fait tout le tour. On s'est pas rejoint. Je pense que ça fait le même tour que moi. Ben non, mais là, c'est pas possible. Ben, j'ai fait un bon tour là. Je crois qu'on nous prend pour des cons. Oui, je pense aussi. T'as appuyé sur la cloche? Ça a fait un truc, hein. De quoi ça fait un truc? Ça a fait un bruit avec un espèce de zigouigoui jaune qui a montré quelque chose. Mais c'était à travers le sol, donc j'ai rien vu. Je peux pas savoir. Ah bah, ça refile la barre. Ah ouais? Ouais. Du coup, c'est une nouvelle vague? On dirait, ouais. Alors là, celle-là, c'est la vague des sorciers. Est-ce qu'ils sont du même côté que tout à l'heure? Probablement. Ils sont toujours là. Oh oui. Il y a les sorciers. Putain, eux, ils vont être chiants parce que, avec leur potion qui t'enlève tous tes cœurs, là, ça te met dans le dur. Y'a rien de drôle, putain! Voilà, je suis empoisonné. Niquez vos mères, putain! Je les déteste. Oh bah, ils se sont mis des potions à eux-mêmes, ces cons-là. Ouais,
Approche-toi, approche-toi. J'en prends dans la gueule des potions. Hein. Il est parti. Il est parti. Bah. Il est. Vous m'entendez? C'est moi qui accroche ou c'est lui? Putain, mais quand est-ce que je le tue? Il est parti. Genre, il m'a foutu une invasion dans la gueule avant que je parte en vacances. Genre, là, je devrais être au lit. Je me lève à 5h. Et en fait, il est parti. Il peut pas être aussi diabolique. Ça n'existe pas. Putain, mais je vais pas pouvoir les tuer, faut que je sorte. Mais si je sors, ils vont me tuer en vrai, c'est grave chaud là, parce que j'ai pas de flèche. A chaque fois, ils se heal. Faut que je sois plus. Putain, mais le bambou là aussi. C'est pratique le bambou, mais pas là. Hein. Putain, mais je suis dans la merde. Je suis tellement dans la merde. Vas-y, approchez la bande de chiens. Oh, je les ai enculés par contre. Je leur ai mis leur dose. Putain, mais non, mais je suis tout seul. Non, mais c'est pas possible. Genre, c'est le pire truc qui pouvait arriver. Ouais, ça sonne. Non, mais c'est le pire truc qui pouvait m'arriver là. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit quoi dans le chat? J'ai pas vu. J'ai peur. Oh, la bête! La bête! Venez. Venez. Tu veux de l'aide? Non, c'est bon. T'inquiète. Je gère. Lol. C'est du suicide. Non, mais clairement, vous avez vu ce qu'il y a devant moi, c'est trop chaud. Oh non, avec ça, c'est du suicide par contre. Ça, c'est du suicide. Ça, c'est. Ok, bisous. Salut. Non, ça, c'est. What the fuck? Je suis clairement mort. J'aurais dû dire oui. Ok, j'ai pris la sauce. Mais il arrive quoi à Terra? Il a parlé dans le chat. Il lui arrive quoi? Sans arc, c'est impossible. J'y arriverai pas. Terra n'a plus internet. Bon bah Merluc, en fait je veux bien de votre aide parce que je crois qu'il va pas revenir. Mais je peux même pas récupérer mon stuff. C'est pas possible. Non bah Merluc, je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous parce que là je... C'est dead pour WAM. Ah, je vous TP parce que là c'est. Là la situation est. Est désespérée. Faut juste que j'aille récupérer mon stuff, mais ça va être quelque chose. Hein. Merci, mais je suis quasi à poil. Ah! Ah ouais, mais ça fait tuer aussi, mais c'est tellement la merde. Attends, putain, mais faut. Putain, c'est foutu! C'est de la merde, on est foutu! Il a fait ça pour faire une blague. C'est fou.
Il a fait une blague. Il a fait une sacrée blague. Putain. Il faut que j'aille me coucher en plus. Y a des gens qui dorment chez moi. Comment je vais m'en sortir? En fait, ils sont trop forts là. Ils sont tellement forts. Oh, ça fait mal. Sérieux, ils tuent à travers les murs maintenant? Je les emmerde. Oh là, je vous dis, ça ne m'amuse pas ce qui se passe là. Là, je suis très triste, hein. Là, j'ai une grande tristesse là. Le village est en péril en vrai. Ils sont trop puissants. Regardez-moi ça, ce bordel. Et puis c'est pas la fin. Je crois que c'est pas la fin, ça. Je crois que c'est pas du tout la fin de notre aventure. Il y a d'autres vagues après. Bon, ça va, ils ont des arcs. Merluc, quand je lui ai dit que j'avais pas besoin d'aide, c'était bien. C'était complètement faux en vrai, parce que là ils sont chauds quand même. Eh, ravageur mon cul là. Ok. Ton stuff. Ouais, mais je sais, mais. J'y vais. Je vais essayer de retrouver des trucs. Mais il n'y a pas tout qui est à moi là. C'est mélangé. C'est la merde. J'avais des bottes, ouais, j'en avais. J'ai mon épée de butin. J'ai un bouclier. Bon, ça suffira pour l'instant. J'ai peut-être pris du stuff à quelqu'un là, mais. Ok, on se redonne le stuff après, ouais. Alors, où serait le dernier? Le chien. Si vous trouvez pas le dernier, ça va recommencer. Vraiment, ça fonctionne comme ça? Ah, oh, sa mère. Et pas là. Quelle galère, putain. Oh, c'est fait, c'est bon. Ok, c'est fini. Ouh, alors la coteau, si vous voulez que je vous redonne une. Pioche en une pelle en fer. Vas-y, Merluc, je te repasse ça. Je sais, c'est pas à moi. Je crois que c'est tout, hein. Après, ouais, tu peux me donner ça si tu veux, c'est gentil. Mais... Vous pouvez les garder. Et. Oui, j'avais un arc, c'est vrai. Tout à fait. J'avais pas autant de trucs en diamant, je pense, mais. C'est gentil. Et bah nice. Merci la Koto qui m'a sauvé la vie. Terra, franchement c'est très drôle que Terra veuille faire une blague. Genre il envoie une putain d'invasion, un truc vraiment c'est pas facile quoi. À deux même c'est pas facile, une putain d'invasion. Et bam! Plus de connexion. Genre, c'est le pire truc qui pouvait arriver. Bon, je vous laisse parce que je comptais vraiment partir à minuit 30. Parce que je pars au Canada. Et je reviens le 17.
et je serai là le live du 18. Je vous fais des bisous. Terracid aussi, même il vous parle dans le chat. Hein. Terracid est dans le chat, il est là, mais en 4G. Il va passer une belle soirée sans internet, à l'ancienne, avec des bougies et des Divix. Vas-y, bisous à tous, et on se retrouve very soon. A bientôt, au revoir. Merci à tous les gens qu'on sub chez Wankil. Hein. C'est très gentil. Il n'y en a pas eu masse, mais en vrai, il y a des gens qui l'ont fait, ça fait plaisir.